Bon, allez, bonjour tout le monde. Bonjour tout le monde. Voilà, on repart directement pour l'épisode 54 d'Elite Dangerous. Ils sont déjà là, ils sont pressés, ils attendent depuis une heure dans la salle d'attente. Alors, franchement, voilà, merci pour votre patience. Merci à ceux qui sont restés là. On repart sur le jeu normal. On va dire, ça va être plus simple. Alors, je vais faire un petit tour de tout le monde, de tous ceux qui sont là, parce que ça me fait plaisir. Donc, il y a, je dois descendre ici, il y a Archer, il y a Colfège, il y a Lilira, il y a Pozlovic, il y a Rodrigue et Rorschach, et il y a Strato. Bonjour tout le monde, merci d'être là, ça me fait vraiment plaisir. Hello. Voilà. Alors, ok, alors je sais pas où vous êtes, je sais pas ce qu'on va faire. Moi je sais que je vais partir des Pléiades avec mon Python et je vais revenir, je dois fermer ma mission de rang. Est-ce que quelqu'un peut m'expliquer les CG qu'il y a actuellement? Attends, c'est qui est le retour de live derrière? Ouais, il y a un retour de live, hein. C'est pas que moi. C'est Rod apparemment. Ouais, Rodrigue. Et moi je suis pas à jour sur le jeu ouvert, donc niveau CG. Concernant les CG, c'est dans le même système qui est un petit peu loin de la bulle. C'est alors soit c'est de la chasse de primes, soit c'est du transport de ressources. Ok, d'accord. Et c'est un peu loin de la bulle. C'est un petit peu loin de la bulle. Ok. Rod, essaye de raccrocher et de revenir. Ouais. Je sais pas où ce qui se passe. Ouais, vas-y, va raccrocher. C'est j'ai chasse à prime ou commerce, les deux au même endroit. Mais on peut peut-être faire un tour. Hein. Moi, je vais revenir à ma base fédérale juste pour me donner un but et aller faire ma mission de rang. Qui est en train de faire quoi? Archer, t'es en train de faire quoi? D'être dans les 10% de la CG? Non, enfin pour le combat, non. Pour le transport, oui. Ok. Par contre, c'est bizarre parce que je ne peux pas payer mon amende. Ah. C'est peut-être toujours parce que je suis dans ton vaisseau en train de regarder, peut-être, non? Ah, peut-être. Ouais. Oui, parce que moi, bizarre, je... Moi, je... Non, regarde... c'est marqué indisponible à cause du multicrew ou autre. Non, c'est pas ça, apparemment. Ça doit... Ouais, c'est parce que c'est un système. Faut qu'on retourne sur l'autre système. Ok. D'accord. Alors, donc Archer, toi, tu es à Wangal, c'est ça? Ouais, c'est ça. Ok, donc c'est le système Wangal de... avec Lilira qui est dans... Qui est en équipage dans mon vaisseau. Et vous faites la prime ou le commerce? Là, on est en train d'essayer de faire la prime. Ok, donc elle est dans ton vaisseau pour tirer sur les gens avec toi. Absolument pas, je suis dans le vaisseau pour regarder les combats. Ah, ok, d'accord. Voilà, une passagère de luxe. Et donc, et c'est très bien. Donc, Archer est à Vanguard. Mais il y a toujours le retour de l'hype. Voilà, attends. Carrément. Oh là là, je vais me faire engueuler. Non, mais t'inquiète, mais oui, mais j'avais remarqué tout à l'heure, mais c'était très très léger. Oui, mais moi ça m'énerve d'entendre ma voix, tu vois. Oh, mais moi ça nous dérange absolument pas, nous, de t'entendre deux fois, Lyra. Moi aussi. Ouais, je sais. Colfège, où es-tu, toi, et que fais-tu? Bienvenue, parce que c'est la première fois que tu vas voir un vaisseau humain. Enfin, un vrai vaisseau. C'est ça. Dernièrement, j'ai changé de vaisseau. Et donc, je t'avoue que mes comptes sont un peu dans le rouge, donc j'essaie de me refaire avec du commerce. Mmh. Et là, je suis dans ton système de prédilection. Ok. Système LHS 3262. Tu sais que dans combien de temps je vais y arriver? Une demi-heure à peu près. Non, je sais pas très bien. On a établi un itinéraire ici. Et je vais vous dire quoi. Ah, on t'entend plus du tout là par contre. Enfin, mais si on entend le replay du live, peut-être qu'on t'entendra. Je sais pas, je rigole. Service de spatioport, je m'équipe juste et puis après je vais faire un peu le tour de tout le monde, mais je dois voir ce que j'ai laissé ici en interne. Est-ce que j'ai un récupérateur de carburant ici ou pas? Qu'est-ce que j'ai d'entreposé? Est-ce que je vais devoir revenir chez moi? Générateur de bouclier, multicanon à X. Je vais prendre un récupérateur de carburant de grade 5. Dans mon Python, ça c'est sûr. Alors, où est-ce que c'est le récupérateur de carburant? Ah, ils n'ont que du 2, ils se foutent de moi ou quoi? Bon, écoute, on verra plus tard. Je vais décoller. Je tomberai bien sur quelque chose en route. Ok. Et donc, Colfesh, on va essayer. Ouais, on va essayer de gagner des sous. Hein, voilà, je sais pas ce qu'on fera. À mon avis, on va rejoindre les CG, c'est le plus simple. On va essayer de gagner des sous. Toi, Lilira, tu comptes rester dans le vaisseau d'Archer ou tu comptes prendre le tien ou tu verras bien?
Je verrai bien. Ah bon, c'est trop bien. Je suis bien en train de regarder. Ah bon, c'est très bien. Pose-lo, c'est la, aussi la première fois que tu viens sur Reddit avec moi. Non, c'est la deuxième. Ah, ça m'a pas marqué. Si, ça, si, si, ça m'avait marqué. Je me souviens. Ah, si, quand même. Si, c'est vrai. Qu'est-ce que tu es en train de faire, toi? Je suis en train de d'essayer d'aller récupérer ce que j'ai gagné pour la CG de l'ancienne semaine là. Et c'était laquelle? C'était la CG de transport là, transport à nul. Là. D'accord. Et sinon, bah après, je vais partir au niveau de Vanga. Lily, tu pourrais essayer de sortir de mon vaisseau 5 minutes pour un truc. D'accord. Oui. Ok. Alors, ok, bah, à mon avis, on ira tous vers la CG. Ça me semble normal. On a Rodrigue. Ça va, Rodrigue? Ah ouais. mais Rodrigue, il est en train de former avec son micro parce que là, on n'entend plus rien. Il va nous faire du morse. Ah bah... Tu peux payer ton amende ou pas? Attends. Laisse-moi 2 secondes que ça charge, s'il te plaît. Ouais. Ouais, parce que là, j'avais un truc bizarre. C'est-à-dire qu'en fait, il me mettait que j'étais recherché. Et en fait, quand t'es parti du vaisseau, il a dit que j'étais plus recherché. c'est Lilira qui est là. Ça sous-entend pas mal de choses, Archer. Voilà. Ah, mais c'est parce qu'en fait, quand on était... Là, vous devriez mieux m'entendre. Très bien. Ah bah, là, franchement, ça devient dur. Parce que j'entends deux fois le... Ah, moi non. Moi, par contre, j'ai plus le retour du live, là. Non, j'entends toujours deux fois, moi. T'avais pas le live en fond, aussi? Non. Ah, moi, c'est bizarre. Moi, j'entends... Là, ça me semblait plus clair. Mais donc, Archer, tu vas résoudre... Ah mais non, là de nouveau je l'entends. Moi j'ai aucun écho, enfin aucun retour de live. Ah ça dépend peut-être le... C'est bizarre. Ouais bon c'est pas... Moins. C'est pas grave. C'est pas grave. Ouais donc je disais c'est peut-être un bug de refresh ou un truc comme ça quoi. Parce qu'en fait Lily elle a eu son monde à cause d'un Imperial Clipper qui nous est passé devant quand on était en train de tirer sur un piton. D'accord, ok. Ah ouais. Voilà. Bah pour aller payer, je dois aller vers HIP de 2048, ouais. Tous les systèmes des Pléiades sont en loi martiale ou pas? J'ai quelque chose à faire. J'en sais rien, Asgard. Oui. Hop. D'ailleurs, remettons le... Ok. Alors, il y avait qui aussi? Il y a Strato? Que fais-tu, Strato? Où es-tu? Je protège les mineurs. Dans le système Vanguard, tu fais la chasse à prime alors? C'est ça. Ah bah voilà. Et donc, le meilleur moyen de gagner de l'argent, mon cher Colfège, mais attends-moi, on va partir ensemble. Je ferai ma mission de rang plus tard. Le meilleur moyen de gagner de l'argent, c'est aussi d'aller faire ces fameuses CG. Je sais pas si t'as déjà testé le principe ou pas du tout. Du tout. Ça alors, me dit rien du tout. D'accord, alors je sais pas, quelqu'un peut-être expliquer parce que vous l'expliquez peut-être mieux que moi et comme ça je fais participer un peu les gens aussi. Je sais pas si quelqu'un se tente à expliquer ce qu'est une CG à l'ami Colfège. Et bien, en quoi ça consiste? Eh bien, c'est tout simplement un objectif communautaire attribué à la. Enfin, toutes les semaines, le jeudi ou je sais plus quelque chose. Ouais, ouais, jeudi. Il y a un objectif communautaire qui est attribué, donc ça peut être de la chasse de primes, ça peut être du transport de ressources et ça peut être plein de trucs. Le but étant d'atteindre différents seuils et plus ta participation est élevée, plus tu vas gagner quelque chose en fait. Et une fois que le temps imparti est fini et que le seuil maximal est atteint, et bien le community goal est considéré comme achevé. Voilà. Donc le principe... J'ai une question. Pardon. Ben, pose-la. J'étais dans le vaisseau de Arthur pendant qu'il faisait les quêtes. Donc, ah merde. Non, je sais pas, c'est pas grave. Ok, alors juste par rapport à la CG, le principe d'une CG, donc, et Pozlo l'a très bien exprimé, je fais un petit coucou à Anonymate que j'avais pas vu arriver sur le channel. Surtout que je suis sur le Discord, espèce d'idiot. On
parle pas comme ça, leader suprême. Mais ah, les femmes se rebellent. Bon, aux... alors aux oubliettes. Non, 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 Rorschach. Alors, donc, juste pour expliquer, donc par rapport aux missions. Donc, ce sont des missions un peu, donc sur le long terme. Tu ne reçois la récompense que quand toutes les missions sont quand la mission communautaire est finie, donc soit au bout de la semaine, soit quand on a atteint le maximum de la mission, donc qu'on a atteint l'objectif de la mission. Voilà. Ouais, et que ce soit des missions de chasse à prime ou bien de commerce, vous avez toujours un petit bonus en sens, pardon ? Non, je t'en prends mal. Non, j'ai trop monté, vas-y. Ah d'accord. Vous recevez en plus un petit bonus pour l'abattage d'un vaisseau ou bien un bénéfice lié aux matériaux que vous donnez quoi aussi. En plus du CG quoi. Allô. Ouais. Oui. Ouais, donc voilà, mais donc c'était très bien. Je cherche juste un système le blanc ici. Ouais, non juste le blanc. Bon, il n'a pas de prénom, mais je suis pignon, je viens de vous dire. Ah, bon, je vais la faire à chaque fois celle-là. Alors c'est juste que je suis parti un peu en mode parfait. Affiché Arthur, c'est bug pop population. Comment, j'ai eu un bug? Ah, c'est pas ouais, j'ai vu. Population, bon, par contre, moi ça a marché en tout cas. J'ai eu les primes au niveau de la communautaire de combat en allant chasser les pirates sur le système d'à côté, dans le système d'à côté. Dans une zone de ouais, d'extraction dangereuse. Ah ouais, ok. J'ai mal embarqué moi. Donc ça va, on a trouvé la vache à lait. Ouf. Ah bah c'est cool alors. Cool. Mais moi j'espère que je vais trouver la pompe à essence. Alors, j'en ai encore assez. Donc... Je suis en train de voir que t'as aucune de décochée et pourtant t'as appliqué à l'itinéraire, donc du coup ça prend pas en compte okay, les merci. Autres étoiles. Ok, d'accord, ok, c'était ça le problème. Parce que j'étais en train de me dire mince, alors je peux pas aller. Et vu du système, là je pourrais voir le système en plus. Et il y a Dionysos, mais je sais pas si je peux aller. Tyrus indépendante. Ils ont pas été attaqués. Non, s'ils avaient été attaqués, je le saurais. Et est-ce que type de situation, rien de notable. Ok, donc on va partir là-bas pour aller racheter, chercher de l'essence. J'avais pas de. Je me suis dit que je trouverais bien une station sur la route. On va espérer qu'on trouve une station sur la route. Hein. Pour aller tu vas faire quoi du coup ? Me ravitailler, juste. Voilà. Et là, ensuite. Mais là, à mon avis, je vais aller juste à la chaise 32-62. Je vais refitter un peu mon. Peut-être voir un peu au niveau Python ce que je dois prendre. J'irais peut-être bien faire du combat ou. Peut-être, à mon avis, je vais me centrer sur les deux CG. Mais comme mon Python est fitté un peu combat, là, bon, je vais enlever les. C'est pas mon Python ? Ah, c'est mon Python. Ah, ouais, c'est mon Python. Python est fitté combat. Voilà. Non mais hey, c'est mon cinquième stream hein, si on compte, c'est vraiment affreux quoi. Ouais, et en plus j'ai streamé avec Pozlovitch quoi. En plus. et avec Zipratic. Mort de fatigue. Ouais, franchement. Et donc, Anonymette, où es-tu ? Enfin pas dans la vraie vie, mais là maintenant dans le jeu. Ah bah là je suis dans mon lit, je suis pas dans le jeu. Ah d'accord, okay, c'est bien, il y a des vaisseaux à couchettes maintenant. En parallèle, j'aimerais bien poser une question à Almut qui a dit tout à l'heure les sites gardiens sont en train de se réveiller. J'ai peut-être raté l'info, mais il se passe quoi avec les sites gardiens ? Eh bien ça fait boum boum. Ah. Voilà. Tout simplement. Oh, il a jamais autant bossé de la semaine, dit Moriarty. Tu parles de qui ? De toi, voyons. Évidemment. Ah merde! Qu'est-ce qui se passe encore? Je fais des conneries, c'est pas toi. C'est pas grave, dans le vaisseau d'Archer. Station, en essayant de rentrer dedans. Non, en essayant de sortir. Ah, c'est bien aussi, hein, en essayant de sortir. Voilà. Et
Colface, il va falloir m'attendre, mais je vais bientôt arriver. Hein. Je vais bientôt arriver, ça va. Ah, ouais, ouais, pas de soucis. Ne t'inquiète pas. Eh ben moi, j'ai joué à un jeu sur mon téléphone pour. Eh ben voilà, c'est bien aussi. Elite Dangerous 84, Space Invader, Space Invader. À la mode Star. Non, c'est quoi déjà Star Citizen. Non, City Skylines. Star City Skylines, nouveau jeu. Mais non. City Skylines est sur. Et sur téléphone. Mais non, mais c'était pour rigoler. Ah, c'était un peu idiot. Ah, pardon, excuse-moi, je peux pas dire idiot. Ah là là. Bon, mais allez, alors. Oui, je sais, évidemment. Évidemment. Bah, oui. Évidemment, on est tous l'idiot de quelqu'un. Alors, les pilotes bleus ont un peu changé d'apparence. Ça lance des théories comme quoi ça se réveille à cause. Les pilotes bleus ? Les pylônes bleus. Ça lance des théories comme quoi ça se réveille à cause du retour des Targo. Oh. Des pylônes. Mais oui, les pylônes vous a fait visiter que ça n'a jamais marché. Non, mais j'ai pas mis la bonne intonation sur le bon mot. Des pylônes se changent d'apparence. Voilà. Ah, il est vraiment en train de muer entre le langage populaire et. Non, mais ce qui serait marrant, tu vois, c'est que d'un coup, on découvre des planètes qui se retrouvent criblées de Wingardiennes qui sortent du sol. Ça serait assez sympa. Qui sortent du sol. Mais oui, on avait été voir ça une fois. Oui, mais c'est voilà, mais sauf que ce serait à l'échelle de toute une planète. Ça, ce serait impressionnant. Bon, mais j'ai pas compris. Ouais. Ouais, ce serait sympa. On adore. On approuve. Ou un anneau planète Terre découvert. Imaginez ouais. D'un coup, t'as des targoïdes qui passent à proximité, là, d'un coup, ça fait boum. Ah oui, t'as... Tu sais. Je crois qu'il est parti trop loin. Non. Attends, juste. À la limite, tu peux juste un peu baisser le son de ton micro. Pas le mettre à zéro, sinon t'entendras plus. Mais juste un peu le baisser, parce que moi, il m'explose un peu les oreilles. Mais il faut savoir que Pozlovitch. J'ai envie de me mute et de laisser Pozlovitch gérer le live pendant 5 minutes. On a vu ce que non, ça a donné. Non. Voilà. Pourquoi ? Ah, bah il fallait être là tout à l'heure. Sur Star Wars The Old Republic, j'ai eu un coup de téléphone en plein stream. Et monsieur Pozlovitch est arrivé. À ce moment. Non, il était déjà là et je lui ai dit tu gères parce qu'on jouait en color, on jouait en coop et je voyais des conneries qui défilaient sur le chat et écrit en disant mais arrête tes bêtises, etc. Mais voilà, donc. Enfin, c'est toujours mieux que celui où tu m'avais laissé gérer. Ah oui, j'ai déjà fait ça. Ah, mon oui, ah, j'avais aussi un coup de fil et tu m'as dit de reprendre. Ah, je suis un et finalement, on a parlé de programmation pendant ton jeu. Ah mais c'était très bien, ça c'était très bien. Parce que moi tu vois, à court de sujet, j'ai dû parler de la disparition d'un certain auteur, enfin non, du voilà. Livre, la disparition qui a été écrite par un auteur, et puis Fennec, j'ai dû parler j'ai dû parler de quoi ? J'ai dû parler de métaphysique aussi à un moment. Mais sinon j'ai des questions à la con, hein. Non, plus de questions à la con. Spaceway ? La con Spaceway ? Ah, pas mal. Moi, le jeu m'a émerveillé. Et moi, j'aimerais m'adresser à quelqu'un. C'est quand qu'on a un commandant marxiste qui vient dans la galaxie, Phil ? Parce que Phil, il a le jeu. Non, mais un vrai marxiste. Non, je rigole. Non, mais Phil, il a le jeu et il me dit à chaque fois, je vais commencer, etc. Et on t'attend, Phil. Hein. On t'attend. Et depuis si longtemps. C'est vrai. Ah, c'est le retour du live m'énerve. Oh, ben, tu as les oreilles. Vous entendez des voix, hein. Tu as les oreilles très sensibles là. Je l'entends vraiment très 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 loin. Et en plus, c'est bien parce que je trouve que ça fait RP, ça fait un peu genre qu'il y a une radio derrière, tu vois. D'accord. Moi, mais. Allez, bizarre ta radio quand même. Hein. J'attends les. Ok. Tu vas me faire pleurer. J'attends les vacances, tu vas me faire pleurer. Voilà, ça c'est un prof, ça c'est bien un prof. J'attends les vacances. Ouais, j'attends les vacances. J'attends les vacances. C'est franchement... La prochaine, c'est bon, quoi. Ouais. Tu vas me faire pleurer, hein, voilà. Et ça y est, maintenant je fais pleurer les gens. Voilà. C'est sérieux. Bon, on va retourner sur le site d'extraction, puisque c'est rentable. Ouais, c'est les extractions de l'arme. Je vais aller payer mon amende et tu me réinvites après ? Ouais, si tu veux. Comme ça, je joue pas mon amende. Bon, allez, Phil, tu installes le jeu et tu viens, point.
Allez. Enfin, vérifie quand même, Lily, que tu sois pas recherché dans le système, hein. Sinon, il faut que tu passes dans un autre système indépendant ou vide et que tu reviennes. C'est marqué en rouge en bas à droite si t'es recherché. J'espère qu'ils ont de l'essence ici. Au-dessus de carburant. Par contre, elle est dans la zone nocturne de la planète, là c'est pas bien. Comment ça tu joues avec moi, Phil? Ah, Phil va venir, voilà. Voilà, Phil va non, venir. Non, 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 comment ça tu joues avec moi? Bah, tu es une personne. Bah, il a le droit de venir jouer avec toi? Non, non, non. Bah, tu. Pourquoi tu veux pas être le joujou de Phil, Kira? Ici, il y a débutant, du coup. C'est un peu bizarre quand même. Ah, je sais plus. C'est où que je dois aller dans la P248? Il est au même niveau que toi, du coup, voilà. Voilà, ton stream a coupé, c'est normal. Oui, je règle le son parce qu'il y a des... Parle un peu, Animette. Ah non, là par contre tu parles trop bas. Tu veux que je baisse la sensibilité de mon micro si ouais, un petit peu, un tout petit peu, ok. Et au fait, Rodrigue, je me demande si c'est pas la sensibilité de ton micro. Je sais pas, en fait. Ah. Je sais pas. On t'entend très... Truc. Depuis la dernière fois, j'avais mué Himalia quand j'avais été parti en pause sur mon stream, mais du coup, j'ai pas une mute depuis, donc je savais pas qu'elle était là, en fait. Mais salut à toi, du coup. Tu peux le traiter d'idiot. C'est pas gentil. Oh non, je suis mais c'est les gens, c'est vrai. De qui règne le micro? Ah, purée, c'est pas cool. Voilà, ça va un peu mieux. Oui, il faut. Qui parle, là? Attendez, on parle tous en même temps, Anonymette. Juste Rodrigue, il faudra voir ça au long cours, quoi, tu vois. Ouais, d'accord. À chaque fois comme ça, quoi. Bon, LHS3262, j'espère que je peux y aller en une fois là, même pas. C'est pas possible ça. Allez, quoi, on dirait que je viens de... Et du coup, j'ai raté un truc quand tout à l'heure t'as dit les femmes se rebellent. Oui. Sans doute qu'elle racontait de la merde et que j'étais pas là pour écouter. Rorschach ? Tu t'écoutes jamais, non. De toute façon. Pas te faire foutre. Oh, mais alors parfois elle dit rien, mais quand elle s'y met, mais c'est bien, on l'avait demandé. 18 sauts. Et c'est bien qu'il dit. Oh là là. Non. Non, non. Ah, mais c'est la première fois que je vois elle. Bien. Enfin, là, on la voit pas, on l'entend plutôt. Alors, au fait, mon cher Colfège, pardon. Ouais. Moi, ce que je te propose vraiment, parce que je viens de comprendre ce qu'on m'a dit, c'est de mettre le cap sur Van Gaal, parce que effectivement, c'est beaucoup trop long comme chemin, okay. pour moi. Donc, mettre le cap sur Van Gaal, on se retrouvera là-bas. Je vais d'ailleurs te mettre dans mon escadrille et voilà. Ok, parce que moi j'ai... Et j'entends toujours le retour du live qui m'énerve. Oui, ça, on a compris. Alors... Mute la personne, voilà. Voilà, de toute façon, Rodrigue dit des choses très intéressantes. Comme Rorschach, hein. Ah, donc on va muter Rorschach, on va muter... Bah exactement. Asgard, on va muter... À savoir ce que Arthur lui a fait dans son vaisseau, elle est à la bloc ce soir. Elle est à bloc ce soir. Ah, ça voilà, ça va vraiment... Elle est chaude comme une baraque à frites. Si, mais non, mais ça va aller, c'est quoi ce live là? Oh, c'est bon. Elle s'est pris de la frite de cuisson au gras de bœuf en infusion, donc oula, en perfusion même. On va manger soir à Asgard, donc c'est là. Non, là par contre, c'est qu'on a un retour de live, c'est, je comprends pas moi. Je comprends pas du tout. Il y a un bouquet en plus. Almut, tu peux faire une modif 1G à distance par 1G, ouais. Ça, c'est ce qu'ils ont tenté d'expliquer dans live avant. Je pense. Alors. Tu peux me redonner le nom du système? Alors, Valgan, c'est W-A-L-G-A-N. Mais par contre, W-A-N-G-L. Par contre, Colfège, tu as fait quelque chose à ton micro là.
c'est moi. J'ai l'impression que t'es trop sensible du micro là. Ouais. Parce que même pour le boost de Shiftain, t'entendais ça fort alors qu'au final, bah, il est pas fort en fait. Je suis trop sensible du micro. Voilà. C'est peut-être possible, évidemment. Je vais toujours regarder, je vais toujours voir. Non, c'est bien les bons réglages ici. Non, c'est Rodrigue qui a son retour, qu'on entend le retour dans ouais. Sur Rodrigue. J'entends pas de retour dans Rodrigue. Enfin, dans son son. Bah, je du précise coup, pour éviter les Asgard aux pensées. Et maintenant, je n'entends plus. Du coup, j'ai 16 sauts à faire pour aller là-bas, donc. Ouais, ouais, moi c'est pareil. Ça marche. Tu es à quel vaisseau? Moi je suis avec un... Je connais pas encore tous les noms des vaisseaux. Ah, ça, un Adder. Un Adder. Ah oui. Ah, mais t'as... ah oui, mais... Ah oui. Non, non, mais je m'attendais... oui, bah, c'est saut, c'est pas mal. C'est parce que... Oui, c'est bien. Ah, même. Mais j'ai plutôt... Ouais, c'est pas mal avec un Adder. Ouais, j'ai touché le million et du coup, j'ai sauté le pas en prenant un nouveau vaisseau. Mais donc là, ouais, t'es un peu... Ah oui, oui, ok. T'as combien de soutes? 8. Ok. Hop, ouais. Ah non, je viens d'accepter ton invite. Ouais, donc le combat, on fera ça plus tard. On va... Qui fait la CG Commerce? Poslo. Allez, Pozlo, j'ai jamais fait de wing avec toi, je crois. Allez, Pozlovic, invité dans l'escadrille. En fait, Pozlo, tu pourras nous indiquer les routes intéressantes, du coup. Hein. Pas de soucis. Alors, compa, que sinon, sur le Discord, tu peux régler toi-même le volume de chaque personne au pire. Ouais, mais c'est ce que je fais, compa, qu'à chaque fois, vous voyez l'écran... Ouais, je le fais, ouais. Il n'y a pas moyen de payer la prime d'un vaisseau recherché. Demande Almut. Dans la bêta. Ah, dans la bêta, bah si, quand tu meurs. T'es recherché, là, ils ont mis vraiment un truc. Quand t'es recherché, tu sais pas, bah tu ramènes ton argent au montant que de ta prime sur ta tête et c'est réglé, tu vois. Mmh. Tu dois mourir, t'es loin de tête. Effectivement, ouais. Archer ? Et c'est pour ça qu'ils ont fait par vaisseau. Parce que du coup, tu peux retourner dans le système, mais avec un autre vaisseau, tu seras pas recherché. J'ai payé. Ok. Je te réinvite. Ah bah oui, je te vois. On est dans la même station. Et d'ailleurs, Almut, je suis en train d'aller au site Guardian. Ah bah tu vas pouvoir... On va voir les orgasmes de Rorschach en direct. Oui, mais non, je veux pas. Sauf s'il n'y a pas de grosses modifications. Quoi? Ah, non, rien. Ah, oui. Rien, j'ai une poussière dans... Ouais, au fond de la gorge. Alors je t'invite tout de suite. Non, mais c'est la CG combat. Ah ben, l'équipage en tant que chasse à la prime. Alors Rodrigue, voilà. C'est comme je suis avec Colfèche qui a un adder, la CG combat ça va être compliqué, toi. Ah ouais. Voilà. À mon avis, je partirai un peu plus tard sur la CG combat. Bah, en zone riche, c'est faisable. T'as la police. Ouais, mais si c'est moi qui suis responsable. Ah bah ça. Tu vois, ça fait un peu. Enfin, c'est un peu comme si j'emmène les adolescents dans. C'est un petit peu comme quand tu m'as demandé d'aller voir le Targol lors du dernier Prime. Non, mais après. Ah, tu es venu volontairement, on a proposé. Oui, je sais. Proposé. J'ai jamais dit le contraire. Non, moi j'assume. J'assume, moi j'ai insisté parce que je trouvais ça bien pour elle et elle en garde un très bon souvenir. Et le Targoïde aussi d'ailleurs. Le Targoïde a bien fini, tu vois. Mais c'est vrai que c'est un. Ça, je voudrais revenir quand même sur la fin de cet épisode 53. C'était énorme, hein, Kira. Moi j'y repense souvent. Ok. Ça veut pas. Ah bah si, ça, là c'est en train, hein, apparemment. Ah bon? T'en as tant pas. Ouais, mais sauf mourir. Non, si, attends, peut-être que si je fais ça. Pozlovic, c'est avec quel vaisseau toi?
Cobra Mark 3. Ok. Ah. Oh. Bon, c'est pas du dégage. Mondial, pas du commerce. Ah, ça fait un truc bizarre. Inactif. Et toi, et toi, Rodrigue, tu pars sur quoi? Oh, CG combat. Ok. Ouais. Ah. Ouais. Avec ouais, tu comptes rester longtemps, Rodrigue, ou pas? Ben, peut-être une petite demi-heure. Ah, ok, ouais, ouais, non, de toute façon, le temps que j'arrive et que, j'ai, que je me fiche, du coup, voilà. Bon, de façon, il y aura d'autres, je compte faire un petit peu de combat après. Hein. Ah! Mon cobra est pas conçu pour le combat, mais il devrait tenir quand même quelques coups. Ah oui. Ça fait vraiment bizarre, hein, les planètes en bêta et tu vois la différence. Hein. Ah ouais, attendez. Ouais. Cobra Mark 3 parce qu'il le vaut bien. c'est un peu ça quoi. Ça fait bizarre de plus combattre. Quoi? Oui, Rodrigue. Vous aurez besoin de... Non, vous avez toujours un écho, normalement? Oui. Vous avez besoin d'un écho? On a toujours l'écho de... Oui. Vous avez besoin d'un micro? Ouais, mais oui. Oscar! Encore? Bon, allez, alors moi, c'est fait. Rorschach, c'est fait. Alors, Rorschach, un point. Voilà. Cette fois-ci, c'est même plus de terre que je te dis. Non mais c'est tout. Bon. Alors, déconnexion, bizarre. Non, ça veut pas que je m'aille chez toi. Que Edith a se faire foutre, hein. Pardon. Bon. Ouh. Ouh. Attends, dissoudre l'équipage, tac, voilà. Alors... Ah oui, faut pas, non. Je suis en train de passer entre deux soleils là, et je suis recroquevillé sur mon siège. Donc il ira invité dans l'équipage, chasse à la prime. Voilà, là je t'aurais invité. Là, ils sont tous en train de me scanner là pour savoir si je suis gentil ou pas. Et alors il y a Cronu qui joue aussi, faut pas hésiter à venir, il y a leur fil, voilà, il est en train d'enfourcher sa combinaison. Je suis sûr qu'il fait. Ah ouais, il l'enfourche. Il saute dedans, carrément. Erreur de connexion. Voilà, bon, mais il y a un problème de connexion, alors. Sur l'équipage. Oh alors, l'orgasme de Rorschach niveau 1, vas-y. Mais non, je veux pas entendre son orgasme, moi. Oui, mais tu veux Utopia. Mais c'était... Enfin, j'ai tellement passé de temps ici que là, je reviens dans la bêta en mode avec les planètes avec des couleurs différentes et c'est super, en fait. Et je me rappelle avoir passé du temps ici, c'était... Les deux étaient belges, quoi, tout simplement. J'ai envoyé un petit screen, c'est... Les deux étaient belges? Dans la bêta, il y a les changements des planètes? Ouais. Oui. Ouais. Mais mon screen fonctionne pas, alors du coup... Ah, Moriarty. Il avait pas remarqué mes deux petites boules. J'avais pas fait gaffe qu'il avait mis des décorations de pare-brise dans son vaisseau Asgard. Mais voilà. D'ailleurs, ça me perturbe, ça aussi. Non. Il est Asgard. Non. Pardon. C'est qui te perturbe? Les deux boules sur le vaisseau Asgard. Salut Phil. Salut. Le commandant Che Guevara est arrivé. Ouais, le commandant Staline. Non, c'est moi, Staline. Ah, d'accord. Par contre, Rodrigue, coupe ton micro juste quand tu quand tu parles pas. Voilà. Et là, on va se rendre compte que c'est pas lui. Donc, Phil, tu vas lancer le jeu pour la première fois. En gros, ouais. Mais il a coupé son micro, Rodrigue, ou pas? Non, je vois toujours mon orbelette. Ah, ok, d'accord. Je suis là. Donc Phil, voilà, c'est le début des vacances. Un grand moment, hein. Quoi? Un grand moment. Ouais, il va cliquer sur jouer. Et on va voir les questions en direct, ça vous allez voir. Quand un débutant commence à jouer, c'est la merde à chaque fois. Ouais, je vais me faire suer, ouais, tu parles. Il va devoir couper
configurer cette, ces touches. Ça, c'est le plus chiant avec Elite. Hein. Ah, les belles boules d'Asgard. Oui, effectivement, il y a les boules de Noël et les boules d'Asgard aussi. Et puis après, il y a les bulldogs. C'est bien qu'on le vire, en fait. Ta-da-da-da-da. Il y en a qui sont morts pour moins que ça, tu sais. Ah oui, je sais, c'est clair. On est sûr qu'on dort. Au détour d'une rue, de se prendre une planche sur la gueule, hein, sur la figure, en fait. Décidément, mais vous voulez tous mort. Et lundi, il va oublier d'aller en cours. Ouais. Ah! Ah non, mais ceux qui étaient déjà sur le live de... Ah, mais il y a deux ruines. Oui, comme dans mon vaisseau. Non, mais attends, il y a ruine antique et ruine ancienne. Oui, mais ça a toujours existé, Rorschach. Ouais. Ah, arrête de faire genre, ils ont rajouté des trucs. Hein. Non, mais enfin, il y a deux balises peut-être maintenant. Je sais pas. Oui. En tout cas, je vais vous envoyer le petite image si j'arrive. Oui. Et donc après moi, ce que je te conseille, parce que je viens de voir l'info sur le Twitter d'Emerix, tu prends une relique gardienne et tu vas voir un Targo niveau 7 avec ton Shiften. Ouais. Alors, bah voilà, j'ai envoyé le lien. Donc c'est plus des vieilles planètes belges, là, c'est sympa. Pourquoi la vie de la vieille planète belge? Parce que belge c'est nul, c'est moche. Mais pas de foutre. Non, Lilira, ça c'est trop populaire. Alors j'ai dit un, j'ai pas dit une. Un belge, voilà, et une belge, oui, peut-être. C'est ça, une. Et comment il dévie le ciblage vers Asgard? Non mais là-bas, il a toujours été ciblé vers toi. Ouais, ça c'est clair. Juste au milieu de la cible. Chut, je me concentre. C'est possible. Non, c'est pas possible, c'est pas possible. C'est pas possible. Pas de chute. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, canon 1, 1. Ça va, Rorschach? Blablabla, bliblobo, boupoupa. Quoi? Non, il va très bien avec ce à quoi je fais référence, parce que pendant que je préparais le stream, etc., monsieur, il s'amusait à hurler dans mes oreilles. C'est vrai. C'est vrai, donc voilà. Ce qui, moi, me déconcentre absolument pas. Oh, le mec. Ouais, je fais le... Alors Phil, déjà je mets le jeu en français parce qu'il est en anglais. C'est... Waouh, bravo. Je te fous pas de moi. J'entends les bruits chelous. Mais ça, je pense c'est les balises. Ah mais non, c'est pas. Ah, il y a un vaisseau sur place. Ah, c'est Rodrigue, ok, qui recherchait. Ouais. Commander Etski. Non, je me suis dit, tiens, une corvette, chouette, j'ai de la chance. Eh ben non, c'est Rodrigue. Effectivement. Il manque les ruines modernes, dit Moriarty. Bah oui, c'est ça, effectivement. Ah. Ça fait bizarre, hein. Ça fait vraiment bizarre de voir le sol d'une autre texture. Oh. Sur un endroit où tu as passé au moins des heures et des heures. Ouais, il a neigé, c'est tout. Ah oui, c'est vrai que tu as eu... Oui, c'est oula, vrai. Attention, je tirais dessus, Roderick. Ouais. Tu sais quoi qu'on se met en wing. Ah, ça veut dire non, ça, Roderick. Ouais, j'avance. Non, est-ce que Roderick veut... Ah, Arthur, acceptes-tu de prendre ici pour époux Rodrigue ici présent? Oh, voilà. Ah, le prendre dans l'équipe. Voilà. Ah, oui. Oui, bah oui. Ça, vous faites ça où vous voulez. Hein, pas ah, bah en plus, c'est bien quand ça vous fait essayer les Alors, est-ce que je vais passer en anglais? Ah, ouais, j'ai le français là, mais j'arrive pas à avoir les sous-titres en français en fait. Mais les sous-titres de quoi? Bah, de la formation, quand elle m'explique comment on vole et tout. Ah mon dieu. C'est vrai. Mais au début, quand elle parle, tu sais pas le mettre en français. Ça va. Tu vas avoir un texte français au moment où ton vaisseau se rallume. Ah d'accord, oui. Où est-ce que c'est mes lasers? Détecteur de découverte, on va le mettre là. Colfège,
Ça se passe bien le trajet? Ouais, là je crois que je suis vers la fin, il m'en reste 4. Ok, tu as un récupérateur de carburant ou pas? Ouais. Il y a un gazier vierge là qui est en train de se retirer dessus. Oula. Sûrement par un impérial. On ne va rien dire sur les récupérateurs de carburant. Toi, tu t'es approché trop près de la planète? Oui, mais tu sais, c'est une habitude avec moi d'aller faire des câlins aux planètes. Ah, toi non plus, tout n'a pas de chance. Ça devait être un peu chaud. Hein. Ouais, ça va. Pardon? Ça devait être un peu chaud. Oui. Mais c'est une habitude, je ne sais pas. Mais c'est pas les câlins aux planètes, c'est pas le temps, c'est les câlins aux étoiles. Oui, aux étoiles. Oh. Pardon. Non, c'est pas grave, Valiliora, c'est la première fois ce soir, il n'y a vraiment aucun problème, tu sais. Bien sûr, c'est la première fois ce soir que vous. Pozlovitch? Ah, on a un problème avec Pozlovitch. Ça veut dire quoi le. Ça veut dire quoi le rond rouge du coup? Il n'a plus de bouclier. D'accord. Pozlovitch n'a plus de bouclier. Je viens de passer dans un tiers de ma coque. Je suis à 50%. Ouais. Tu combats tout seul? Négatif, je suis pas en combat. Ah, tu te bats avec une planète? Ah non, tu viens te prendre la station, c'est ça? Tu veux prendre la station? C'est pas grave. Pozlovitch, viens ici. Non, Rodrigue, excuse-moi. Viens ici. Non, c'est ça, ouais, attends, il y en a un qui est polonais, l'autre qui est espagnol, donc c'est pas la même chose, tu vois. Tu récupères ton bouclier, là, Rodrigue? Je t'entends pas, parle plus fort. Non, j'ai dit il est au maximum. Plus fort. Ok. Donc on entend plus le retour que la voix de Rodrigue. Mais non, les lirates viennent. Non, mais le problème, c'est que à un moment il avait bien réglé son micro, on l'entendait très très bien, et puis tu as touché sous l'impulsion d'une certaine personne. mais on attend le retour de ton live, c'est chiant. Oui, mais de toute façon. Mute-le, c'est tout. Nous on l'entend bien. Tu le mutes et si te parle, on te le dira. Voilà. C'est cela, tu peux compter sur nous. Moi je le sens. J'ai pas confiance là. Alors c'est marrant parce que Moriarty, il y a. Non, Arthur, il y a Moriarty, il t'appelle Asher. A-S-H-E-R. Il sait plus où donner de la tête là. Ah ouais, c'est bien aussi. Ouais. Oh là, c'était convaincu là, Rodrigue. C'est comme le jour, ça, je l'avais noté dans l'ancien épisode, hein, où Rorschach dit, bon, on n'irait pas tester un type 7 tout de suite. Et puis là, on entend une voix qui vient du fond des âges. Ouais. je ne vais pas dire non parce qu'ils sont tous d'accord. Voilà, enfin, moi, je dis clairement non dès le début, mais on a quand même été le faire. Et puis voilà, quoi. J'ai essayé de faire mon photographe, mais je trouve qu'elle est cool l'image. Quoi? On se moque pas. Mais j'ai même pas vu, je sais pas ce que t'as envoyé. Bah sur le stream d'Asgard, ou c'est dans le Discord, dans Hologramme. Dans le quoi? Hologramme, la salle des hologrammes, en haut de Beta Beyond. Ah, oh là là, il faut trouver, il faut chercher. Ah. Bon, alors j'ai un problème avec mon clavier. L'autre a un problème avec son micro. L'autre... Ah, mais l'Asgari est une type de bras cassé, c'est ça? C'est ça. Début, hein, Asgard. Quoi? Je dis depuis le début que l'Asgari est une équipe de bras cassé. Ah, oui, c'est vrai. On aurait dû l'appeler comme ça d'ailleurs. Mais on n'aurait pas été crédible. Parce qu'on est censé l'être. Ah oui, franchement, oui. Vous avez vu la tête de vous qu'on a là. Bizarrement. Ah. Oh là là. Pas de me prendre des astéroïdes. Tu vois, c'est une équipe de bras cassés. On essaye de donner un peu de crédibilité. J'arrête pas de me prendre les astéroïdes. Encore une voix perdue au fin fond de la galaxie, quoi. Si c'était que les bras, c'est vrai. Tu verrais, ici. Et on s'est moqué de moi tout à l'heure parce que je me suis pris une planète ou je sais pas quoi là. Hein? Ouais, mais toi t'es le leader suprême. Oui, mais justement, on ne se moque pas du leader suprême. On lui dit pas d'aller se faire foutre. Non,
Ah si, mais si j'ai envie de te le dire, je te le dirai à moi. Ah ouais? Absolument. Ah bah d'accord, ok. Mais je te l'ai déjà dit, hein. Ah bon? Tu peux me le redire, s'il te plaît. Va te faire foutre, Oscar. Ok, d'accord, je suis beau. Vraiment, en plus, c'est merveilleux. Vas-y, allez encore plus fort. Arrête, tout ça, c'est bizarre. Allez, hurle-le que je l'entende de Namur à Bruxelles. Ou pas. Ah là, oh. Mon dieu. Oui. Il y a un grand truc tout dur qui sort du sol. Rorschach, non, c'est insulter les gardiens. Rorschach. C'est une relique gardien. Ben oui, oui, Rorschach. Ben oui. Rorschach, c'est pas un truc. Dit comme ça, ça me donne. C'est un stream sponsorisé par un carrossier. Ok, ça m'a regardé, ça, c'est fait. En fait, non, je vais rien dire, ça vaut mieux. Carglass répare. Carglass en place. Carglass en place. Même le samedi. Ils disent plus ça d'ailleurs, même le samedi. Alors Colfesh demande quelle station. Alors, c'est marrant, Colfesh, parce qu'on t'a pas entendu le dire, mais on t'a entendu le taper très fort. C'est quelle station à Walgan? C'est Nelver City. Ah là, Nelver City. C'est sur ce dessus de Wengal A9. A9. C'est près de la planète 9 de l'étoile A. Ouais. Tu n'as aucune donnée? Ouais. Tour de signal non identifié. Balise de navigation. Ouais, tu dois aller voir la balise de navigation. C'est le coup de la balise. C'est parce que tu n'as pas découvert les données du système, donc voilà quoi. Donc ça va mieux. Alors, c'est... Non, là, par contre, il y a quelqu'un qui regarde une vidéo en anglais. Oh. De quoi, Moriarty? Ah. Pouf. Rodrigue, il se sent mal. Non, ça va. Ouais, enfin, c'est ton bouclier, quoi. Ouais, j'ai pris de la dopamine. J'ai toujours regardé l'équipement qu'il y a ici avant d'arriver à Walgan. Je savais pas que le retour des Pléiades était si long. Mais non. Quoi si. Dis-moi. Il y a le mec sur vaisseau qui s'appelle Jacques Sisto. Qui si, le mec. Il s'appelle comment? Non. Jacques Cousteau, son vaisseau, c'est marqué. Est-ce qu'il a un bonnet rouge? Non, mais il est tout rouge sur vaisseau. Ça tient même bac rouge. Ah oui, mais j'aurais dû enlever les renforts de coque. Hein. Voilà. Merci. C'est quoi le lacet? Ouais, c'est sympa. Ah. C'est aussi de la chaussure. Ouais, non, alors, il bat de plus de ta part, hein, c'est vrai. Je regarde sur internet mais je trouve pas. Non, c'est gauche et droite, un peu comme une voiture. Non mais c'est vrai. C'est gauche et droite un peu comme une voiture. Non mais c'est là, c'est tourné à gauche et à droite comme une voiture sur un plan sur le plat en fait. Parce qu'après t'as le tangage, t'as la roue, c'est un machin. Ah pourquoi? Ouais. Non. Merci pour cette prestation. Eh ben, franchement, si j'aurais cru un jour qu'on entendrait chanter Lilira en live, ça, franchement, c'est. Nelter City, prestation. Non, mais je ne sais plus ce que je suis censé faire. Et donc, tu chantes. Oui. Tiens, ça me fait penser que j'ai pas mis ma musique en arrière-plan. La cigale ayant chanté tous les feux se trouva fort dépourvue. Quand l'hiver fut venu. Quand la bise fut venue. Non, quand l'hiver.
La version belge, c'est la bise. Voilà. Okay. La version belge. Je... On vit pas dans le même monde. Hein. Ah non, ça c'est clair. Comment je suis là. Putain, je comprends rien. On l'a eu, on l'a eu. signaler les crimes. Après. Je vais dire non. Alors, qu'est-ce qu'il a dit? Colfège, on m'appelle Poisson Rouge aussi. Non. C'est quoi le nom de la station? je la trouve quand Non, non, mais vous êtes d'accord que l'émission de le micro de Colfège est fort. Je veux bien que tu sors du micro, voilà. Attends, non. Si tu veux, je m'éloigne. Tu t'éloignes ou tu le règles, tu baisses ton micro en Discord, tu vois. Parce que j'ai déjà été le baissé, mais moins que zéro, je peux pas. Bah, c'est bon, là. C'est mieux, mais le voilà. Oh. Mais vas-y, hein. Non, c'est pas à toi que je parlais, hein, Colfège. Alors, mais là, Colfège, on t'entend plus du tout. Et là, tu m'entends, là? C'est bien. Non. C'est bon. Non, mais c'est bon. Mais je comprends pourquoi j'entends pas. Donc voilà. Le nom de la station, c'est je ne sais plus quoi. Nelder City, ça fait 3. Nelder City, mais... Nelder City. Faut descendre mais... bas dans la liste. Alors, de toute façon, c'est pas là qu'il faut aller. C'est... Si. Oui, mais ça, c'est pour donner des ingrédients. On va aller chercher où, Pozlo? Dans des stations. Merci François. Salut Didash, bienvenue sur la chaîne Asgard, j'espère que tu vas bien. N'hésite pas à poser des questions sur le jeu, tout ça. Oh, tu t'en sors Phil? Ouais, merci. Tu connais Didask, Rorschach, ou c'est où tu as vu un truc sortir du sol tout dur? Non, j'ai vu le sol de très près et de très rapidement. Ah tiens, c'est bizarre ça. Oui, mais avec le cerveau. On m'entend? Non. Non, non. Non, non, il ira, on t'entend absolument pas. Non, non. D'accord, j'ai un problème d'overlay apparemment. Mais qu'est-ce que tu fais? De quoi? C'est bon, tout le monde m'a suivi dans mon télé. De quoi? C'est que de la merde ce soir. Ah mon dieu, cet après-midi aussi. Hein. Alors... J'ai pas compris là. Non, mais non plus. Alors, oh, Phil, as-tu trouvé des chaussures? Je cherche les lacets encore. Ah, d'accord. Mais non, mais il me dit qu'il disait A pour contrôler le lacet. Mais ça marche pas quoi. Non, mais c'est Q, c'est QWERTY, hein. C'est QWERTY. Ah putain, merde. Allez, hop, voilà. C'est pas moi. Non, mais voilà. Un prof d'économie, je m'attends vraiment à. Bah, ça Santos. En fait. Ouais. Santos, tu es en live là? J'ai craché. Ah, d'accord. Mais voilà, c'est dégueulasse, exactement. Mais surtout le rapport, quoi. Il demande d'expliquer qu'est-ce que tu sais pendant ce temps-là. Tu as craché sur tout le rapport. Sur le rapport. J'étais en train d'éternuer sur le joystick quand ça a craché, du coup j'ai mis ça dans le rapport. Oh, aussi, vous comprendre. Ça m'est arrivé de mettre des raisons connes aussi dans un autre truc. Genre, j'étais c'est en train quand de même marrant m'endormir. Les discussions quand oui. Sur... J'étais oui. En train de m'endormir et puis bah le jeu a craché. La soeur, tu sais me nier. Ah. Alors, je ne sais pas qui a parlé, mais j'ai rien entendu. Moi non plus, j'ai pas entendu, j'ai pas envie d'entendre. Ah, c'est pas possible, mais vous êtes exceptionnel. C'est quoi le nom de la station? j'ai retenu. Enfin, je crois. Et donc, je ne sais pas ce que la personne a dit. Quelle personne lui dira? J'en sais rien, j'ai pas vu sur l'overlay qui parlait. T'as un problème à ton overlay? Non, maintenant j'ai réglé mon problème d'overlay. Et est-ce qu'on t'entend, tu crois? Non. Non, t'es en train de me parler.
Il faut passer le live en Piggy 18. Enfin, ça, je sais pas, mais on va faire ce qu'on peut en tout cas. Bon, j'arrive à Nether City. Pourquoi il m'attaque? J'ai un casier vierge. Je me fais attaquer par un casier vierge, qu'est-ce qui se passe? Mais ah putain de bordel, je merde! Non, dis, s'il te plaît. Ouais, Archer, explique un peu. Bah, je sais pas, je n'ai pourtant rien fait de mal, je me fais attaquer par un piton qui a un casier vierge. Est-ce que tu es dans le powerplay? Ouais, je suis dans le. Non, pas dans le powerplay, je suis pas dans le powerplay, je suis dans. Non, je comprends pas. Tu n'es dans rien, tu n'es pas affilié à quelqu'un. Non, j'étais en zone d'extraction tranquillement, puis je me suis fait agresser. Ah oh, putain, mais si. Bon, heureusement, j'ai pas eu de. Si même Rodrigue, les racailles tu serais pas dans le powerplay, toi, par hasard. Si, pour son bouclier prismatique. Ouais. Ouais, allô. Tu sais qu'on est chez Danton Patrius, on n'est pas chez Lavigny Duval ou Duval. Non, bah, il se tape la gueule entre impériaux maintenant. Oh, putain. Entre impériaux, c'est bien. Oh, merde. Ouais, c'est pareil. Ouais, mais c'est pas grave. Ouais, sauf que moi je me fais attaquer par. Mais est-ce que tu es marqué hostile, Rodrigue, ou pas? Ah oui. Lui, il est recherché, hein. Moi, c'est bizarre ça, enfin. Je sais pas, quand t'es chez Zachary, tu vas chez Félicia, tu te fais pas taper, inversement aussi. Ouais. Je ne comprends pas, là, les Empyreux. Je pense qu'avant la fin du live, Phil, t'auras fini de régler tes touches. Bon, la mauvaise nouvelle, c'est que je me suis trompé de système. Ah, et tu trouvais pas la station. C'est pour ça que tu as demandé ça trois fois. Voilà, moi j'arrive derrière un magnifique Imperial Cutter. Non, c'est un Clipper ou un Cutter, ça. C'est un Clipper. Mais il est magnifique quand même. Mais par contre, il sait pas conduire. Et c'est un PNJ. Mais regardez-moi ça, mais les PNJ, ça... Mais ça sait plus conduire, hein. Vaisseau logistique impérial. Eh ben, j'ai pas ce qu'il y a de logistique, hein. C'est bien la preuve que les impériaux, ils savent pas... Non mais Archer... Piloter, hein. Non mais vous avez vu ce PNJ? Oui. Mais c'est ça. C'est ça, ouais. Allez, vois ça, allez. Mais même Lily... Pardon. Alors... Non mais vas-y, je t'en prie. Finis ta phrase, Asgard. Mais même Lyra, elle conduit mieux que ça. Oh là là. Voilà, j'ai fini ma phrase. Mais ça, c'était pour tous les va te faire foutre. Va te faire foutre. Mais voilà. Bon, allez, on est dans une station verte. Ah, il y a Pozlovitch. Ah oui, il y a Pozlovitch. Ah, mais t'étais sur Dromunkas tout à l'heure et t'es déjà arrivé ici. Ah oui, bah écoute, hein, c'est rapide, hein, avec le FTL et tout. Exactement. Le FTL? Pas le FSD. Le FTL, c'est... On connaît le FDL, mais... Et le FDP, pardon. Alors... C'est rien, quoi. Non, ça, c'est à force de côtoyer des jeunes. Alors... Ouais. Excuse. Ah, on est dans un système. Danton Patrius. C'est qui lui encore? C'est un mec de l'Empire. D'accord. Donc, objectif communautaire. Je vais prendre les deux. Donc, les autorités du système Wangal sont confrontées à une hausse importante de la criminalité dans le secteur. En effet, les pilotes croisant dans les parages sont régulièrement pris pour cible. La situation est telle que le commerce en pâtit, les troupes se multiplient à une vitesse alarmante. Okay. Donc ça, je vais la prendre. On ira peut-être faire du combat tout à l'heure. On va s'inscrire. Que le vin coule à flot. Mais je comprends pourquoi vous avez tous été ici. Alors. Vient de déployer son projet de restaurant familial orbital dans le système de Van Gaal. Les animaux tués dans The Hunter sont les bienvenus. Damorx Bar et BBQ offrira ainsi aux visiteurs de passage l'occasion de découvrir les mets et boissons les plus raffinés de cette région du cosmos. Bon. Et alors, nous avons hâte de pouvoir faire découvrir nos meilleurs produits au reste de la galaxie. Quand le vin coule à flot... Mais on n'est pas à flot ici, on est à Wangal. Pas compris. Quand le vin coule à flot, amertume... Mes regrets s'évanouissent, n'est-ce pas?
Alors, on voit les cerveaux, là, évidemment. Les regrets s'évanouissent, n'est-ce pas? Alors, réchauffons les cœurs de Van Gaal et de tout l'espace civilisé. Ok, donc il faut leur apporter quoi, en fait? Du vin? Non. Du rhum, des femmes. Et de la bière, nom de Dieu. Attends. L'accordéon. Contrôleur des électroniques. Okay. Ah, oui, d'accord. Okay. Équipement ménager, purificateur d'eau. Et alors, ça, un truc refroidissement, mais je ne sais plus c'est quoi. Mais d'accord. L'électronique grand public est le plus rentable, je pense. L'électronique grand public est le plus rentable, vous confirmez? Ouais. Ouais. Mais on n'en trouve pas beaucoup. Il a un vaisseau, lui, pas une titine poussive. Ouais. Électronique grand public, on n'en trouve pas beaucoup. Bon. Non, donc en général, je prends l'électronique grand public et les microcontrôleurs. Ok, ça je vais noter alors. Bon, on va garder ça. Et moi, pour le moment, je vais les chercher, je vais les chercher. Ah. Alors, où est-ce que je vais les chercher? Tu as regardé sur eddb.io? Non, enfin, on avait regardé ça hier, donc c'est une route que je fais depuis hier déjà. Salut Fertuc, bienvenue à toi. C'est plaisir de te voir. Ok, et il y a toujours beaucoup... Mais il y a toujours beaucoup de marchandises ou pas? Ben, comme je dis, pour l'électronique grand public, il n'y en a pas beaucoup. Mm-hmm. Mais il n'y en a pas beaucoup, non, mais il y en avait encore. Il n'y en a pas beaucoup, non, mais il y en avait encore. Moi, j'ai rien compris. Attends, mais en fait, je vais arriver dans... Où... Dans où je vais. Et donc, je dirai quoi? Et je te dirai quoi une fois que j'y serai? Ne change pas, Lyra, surtout ne change pas. Mais par contre, ouais, parce que nous, on va se débarquer avec trois vaisseaux, dont un gros, le mien. Et ça fait plaisir de dire ça. C'est bien de jouer avec des débutants, on se sent vraiment le leader suprême, du coup. Ça me paraît tellement. Laisse-le se faire plaisir, Lyra. Enfin, ça par contre, non. Laisse-le. Pardon, j'ai pas entendu là. Je sais pas qui a parlé, mais. Laisse-le croire ce qu'il veut croire. Non. Il a dit laisse-le se faire plaisir. Lilira. Voilà. Vous allez à Moudramakaz pour les technologies grand public. Ben, on va regarder dans eddb.bio. Tu es où toi, Lilira? Tu es dans quel système? Attends. Oh, j'ai plus de batterie. Pas grave. Au revoir. Oui. Oh. LTT 1873. Ok, 73. Savoir s'il reste encore du stock là-bas, je ne sais pas. En fait, tu peux aller sur le site eddb.io et là tu as toutes les informations. Alors, nous on est dans le système de Wandal, c'est ça? Wandal. Oui. Wandal, c'est pour ça que ça ne marchait plus. Ouais. Fais pas la même erreur que moi. Hein. Non, jamais. Attends. À une lettre, il t'envoie à l'autre bout de l'espace. Hein. Pardon. Non, mais attends, Goldfish, il faut que je t'avoue un truc. Quand je t'ai donné le nom du système, je me suis dit, j'espère que j'ai pas bugué. En même temps, t'as dit Vandal, toi. Mais oui. Alors que c'est Wang. Mais. Willy Wonka. Ça avait été mal Pardon. Noté dans le stream par ceux qui m'avaient donné l'information. Oui, Banca. Oui, bien sûr, c'est ça, Asgard. On va te croire. Tu es loin, Colfège? Bah, avec moi dans la wing, Asgard. Attends. Je vais te dire, je vais sortir de... Si ça tombe, il est à 3000 années-lumière en Hadder, je l'ai envoyé, mais où est-ce que je l'ai envoyé? Tu as un détecteur de découverte? C'est ta faute. Tu as un détecteur de découverte, je vais t'inviter dans... Tu es responsable. Les gars, je vais vous laisser. Au revoir, Rodrigue, merci beaucoup pour tout. Hein. C'était génial, merci pour ton aide et à très bientôt. Hein. Attends, tu as des animaux qui parlent. Il me reste encore 14 sauts à faire. Oh putain, mais où est-ce que je t'ai envoyé? À l'autre bout de l'espace. Mais est-ce que tu as un détecteur de découverte? Ouais, t'es responsable. Est-ce que tu scannes les systèmes pour avoir des données d'exploration? Oh. Avec des espèces de cartes que tu peux revendre dans les stations. C'est ça, oui. Ouais, bah j'en ai des cartes, donc je pense que j'ai le module. Ouais. Ok, donc. Oui, mais. Ouais. Attends, parce qu'on va tous en même temps. Parce que le détecteur de découverte simple. Ah, il y a Stratos, ok. Il y a l'avancée aussi. Alors, Lilira, je vais bientôt t'inviter. Je recherche juste sur eddb.io. Et dès que tu es sur zone. Colfège, eh ben, je te dirai où aller. Alors, je vais. Comment est-ce qu'on appelle l'électronique grand public? Big public électronique. Oh là. Aucune idée.
Ok, alors... Électronique grand public, c'est Consumer Technology. Merci. Magnifique accent. Oh, attends, t'as, ouais. T'as pas vu le mien. Alors, on dit merci à l'épisode 1 avec où tu présentes la feuille avec toutes les traductions. Et ah le, oui le... Ah bien, bien, Colfèche, bien. Oui, ça je sais. Je n'ai même pas regardé cette vidéo. Mais Asgard, faut vraiment qu'un jour tu viennes, enfin mieux que la dernière fois aux ruines. Oui, mais écoute, alors le prochain live sur Reddit, on reviendra aux ruines, ok? Mais je, pas pour scientifique, juste pour voilà. Non. Vraiment, tu sais que ça me plaît beaucoup, donc j'irai. Alors, je pense qu'on peut aller dans un système qui s'appelle. Ah non, ils n'en ont que 74. C'est pas beaucoup ça. Je cherche un endroit où on peut aller en chercher. C'est ça le problème, c'est qu'à proximité immédiate, il en reste plus beaucoup. Hein. Voilà, c'est ça. Je regarde. Ah oui, 47. C'est pas beaucoup. Hein. Mais écoutez, alors il faut partir vers des trucs beaucoup plus lointains. Hein. J'ai regardé ça, par exemple. Consumer Tech, merci. C'est bon, on a trouvé le premier de la classe qui est Fayotte. Je sais pas à quoi tu fais référence, mais ça me fait rire. Ah non, mais il y en a plus beaucoup par. Il y en a nulle part. Hein. Non. Même là où je suis, il y en a beaucoup moins qu'avant. Wow. Ah oui. Encore plus fort. Oh. Pourquoi? Je vais essayer d'en trouver. Ouais, on peut toujours. Ouais, le truc c'est qu'il y a. Pour refaire de posto, j'ai juste un truc à récupérer dans le système où je suis là, sur une petite station. C'est une très vieille prise que je viens récupérer. Il n'y a pas de souci, Et alors, les micros. Oh oui, c'est. Le problème des CG, hein, c'est que. Alors, comment ça s'appelle les microcontrôleurs? On va tenter autre chose. Mais c'est vrai que c'est le problème des CG, hein, c'est que ça concentre toute l'économie sur un seul point et. Ouais, franchement, moi, c'est afro-capitaliste, j'en peux plus. Quoi. Oh non, mais ça coûte aussi cher, ça. Ouais. Austin Station. Après Austin Powers, ils ont fait Austin Station. Tiens. Alors. Ouais. Comment ça s'appelle ce truc? Et moi, j'ai bien failli quand j'étais d'aller chez les ingés là tantôt. Ah oui, ah, tu m'as expliqué ça. Alors attends, microcontrôleur, mais il n'y en a plus. Non. Non, mais moi, c'est je commence à m'énerver là. Ici où je suis, il n'en restait plus que 500. Ah. Bon, c'est déjà pas mal, tu vas me dire. Voilà. Et il n'y a plus de électro machin grand public. Ouais, mais ça, j'ai complètement abandonné. Hein. J'ai pris les derniers qui restaient. Ah, non, moi j'ai un truc où il en reste 1520. Les microcontrôleurs. Alors, dans le système Suteni, je vais noter sur le stream, et à Merrill Hub. Et je t'invite en live. Donc, à la limite, Colfèche. Ouais. C'est pas très loin. C'est dans le secteur, mais ça sert à rien que tu viennes ici. Enfin, ça sert à rien. On va aller dans une station, tu pourras prendre des marchandises pour venir ici, mais c'est pas très loin de la station où on est ici. Suteni, S-U-T-U. Non, S-U-T-E-N-I. S-U-T-E-N-I, je vais le faire en live pour être sûr que je n'envoie pas n'importe où. Bonjour. Bonsoir. Et c'est pas Rodri qui a un problème de son, hein. S-U-T-E-N-I. Rorschach. Quoi? Coupe un peu ton micro. Allô. Allô. Non. Je sais pas, ça tombe sur moi. Tu me confirmes, c'est bien Suteni, S-U-T-E-N-I. Non, c'est bon, Roger, je peux remettre. Oui, ouais, on peut aller là. Non. Suteni. La ferme, toi.
Ok. Pozlov. C'est pas à vous que je parlais. Toi, tu pars ailleurs et tu nous rejoindras plus tard, c'est ça hein. Là, je suis à ma station, là, donc. Ok, alors le système Suteni, il y a des microcontrôleurs. Et encore, c'est pas des potes de Nutella. C'est vrai que pour ceux qui jouent pas au jeu, Lilira, je t'ai invité dans l'escadrille. Comment ça, c'est moi qui ai un problème de micro, Moriarty? Ah oui, c'est vrai, peut-être. Mais comment? Mais non, vu que quand une fois je ne parle plus, j'éteins mon micro. Ah mais c'est ça en fait. De quoi? Non, je sais pas. C'est vrai qu'on a mystérieux autour de live. Bon, ça va pas énormément s'entendre sur Twitch, je pense. Non, mais apparemment c'était Rodrigue qui avait ce problème-là. Ouais, moi. Mais. Enfin, je sais pas. C'est, ou alors il faisait un écho à Larsen ou un truc comme ça. Il devait peut-être regarder le live en même temps en fond d'écran ou un truc comme ça, style radio. Ce fameux Larsen. Mais du coup, vous regardez quoi là? Une relique. Non, mais... voilà. Moi, je regardais EDDBIO pour essayer de trouver là, on pouvait trouver des marchandises. Voilà. Mais du coup, vous allez à quel système? À Suteni, S-U-T-E-N-I, à Merrill Hub. Là, il y a des microcontrôleurs. Il y en a 1500. Ça nous permettra au moins, voilà, de prendre un peu tout ce qu'il faut. Mais du coup, j'ai même pas fait attention à Victor, au fait, à Rorschach, à la nouvelle voix. Je l'ai mise sur la fin, mais. Ah ouais. Oh, je sais pas, ça va changer un petit peu. Ouais, moi, tout seul. Du coup, je vais pouvoir ne pas faire un voyage à vide, et du coup, je vais pouvoir prendre du minerai de là où je suis pour en apporter là-bas. Ah, nickel, ouais. Faites ça. Je vais essayer de lâcher des reliques cardiaques dans les scouts. Ouais. On sait jamais. Ouais. Moi je sais, moi j'ai déjà eu ce genre d'idée là, ça c'est bien fini. Oui, mais là de toute façon ils t'attaquent de base, les bordels donc. Les peut-être bordels. Ils s'autodétruisent, enfin, t'as ouais. Bien un truc. Ouais. Ouais. Film, hein, on sait jamais. Non. Ah, c'est encore Strato, ok, d'accord. Il nous reste 7 sauts encore là. Ça va. Et franchement, on adore que le fèche t'es courageux. Phil? Ouais. Ça va? Bah écoute, je fais mon premier saut hyperespace là. Oh. T'as vu? Bravo. Merrill Hub. Bah t'as vite configuré tes touches, t'as vite compris, ça me surprend vraiment. Enfin, pas dans ce sens-là, mais... Merci pour ta confiance, ça me touche. Non, mais c'était un peu en jeu. Voilà, je me dis... Enfin, voilà, quand je... Voilà, d'autres ont plus galéré que toi. Tu t'enfonces. Tu m'enfonces, ouais. Mais enfin, je suis étonné des nouveaux joueurs, là, depuis... Enfin... Non, en fait, vrai, de, en soit, fait, soit, de, depuis non, moi, je suis vraiment étonné. Soit c'est tous des génies depuis quelques temps et voilà. Soit le jeu a été simplifié sans qu'on. Non, soit la chaîne Asgard leur apporte confiance. Ouais, oh là là, faut pas non plus. Hein. Moi, j'ai découvert le jeu sans ta chaîne Asgard. Ah ouais, bah ça va. Et là, qu'est-ce que tu fous? T'es dans un lit. Voilà. Sérieux, alors qu'on joue avec. Bah, ouais, je suis dans un lit et je joue à SimCity, ça me dérange. Mais j'ai plus de sous. Ils sont tous en train de râler là. Ça me saoule. Ouais, ça m'étonne pas si tu les traites tous d'idiots. Mon foot en est un aussi. Pour un prof, oui, c'est impressionnant, dit Moriarty. Phil. Merci. Ah là là. Et sinon, moi j'ai une question à vous poser. Oui, c'est reparti. Allez. Est-ce que l'argent fait le bonheur? Allez, mais tu veux que je pose ça? Oh non. Tu vois, ce gars, on va pas recommencer. Bonjour. En plus, tu l'as déjà posé. Je le sais. Qui est là? Il est neuf ou quoi? C'est Lilira qui est partie. C'est Lilira qui est partie? Oui. Donc tu dis pas bonjour, tu dis au revoir. Mais j'ai pas compris. Bah, ça sert à dire au revoir, c'est déjà parti. Ah ouais, bah c'est oui. Vrai. Mais c'est comme ceux qui disent quand ils quittent un live, ils disent au revoir, ils n'entendent jamais. Ah, ceux qui commencent un live et qui disent attends, j'ai oublié quelque chose.
Hommage à Rodrigue, qui nous a trop vite quittés. Colfège. Dans les prés. Ouais. Bah, c'est ce que je fais, connard. Oh, oh là, pour un prof, ça m'étonne. Hein. Ah, pose-le. Pose-le intercepté. Tadam, tadam, tadam. Alors, qu'est-ce qui se passe, Phil? Il m'a dit de décélérer, je décélérais, mais en fait, j'accélérais, je crois. Ah ouais, ça c'est un... Ça, ça arrive souvent, ça. Hey, maintenant, tu peux rentrer dans les petites stations. Oh. Oh, wow. Wow. Mais si, regarde. Bah oui, non, mais c'est bon. Non, non, mais c'est nouveau, ça. Mais non, c'est que t'es avec ton gros T7, tu peux pas te poser sur les petits spatioports, c'est tout. Parce que ça a pas de large. Et là, le piton, ça a un moyen. Ah non, il est marqué no entry devant l'entrée. Mais non, Rorschach, non, non. Franchement, je suis arrivé... Alors, ne rigole pas, mais je peux pas te l'expliquer autrement. Et j'ai vu la fente. Et je me suis dit, bah, il y a quelque... Dès que tu vois une fente, tu te dis, je peux peut-être rentrer dedans. Ouais. Mais je me suis dit la même chose quand j'ai vu la fente la première fois. Et j'avais déjà essayé d'ailleurs de rentrer dedans. Ah. Mais tu peux pas. C'est un bouclier fixe. Ah, mais j'ai plus de sous. Ouais, de toute façon, j'arrive sur Sutani. Oh. Ouais. Phil. Alors mon la personne qui est sur le... Ah, t'as dit oui, Phil, donc je... c'est d'accord. Ah, mais c'est que quand tu vises un truc... Oh. Non, non, mais Rorschach, oui. Vas-y. Bah, et le mec qui est sur le site, là, c'est un Français, en fait. Bah, du coup, bah, vu que c'est son vaisseau, il s'appelle comme ça. Et bah, du coup, on cause là, et il dit qu'apparemment, il y a un nouveau objet gardien, et c'est le bijou antique. Et apparemment, il y a des screens sur internet, tout ça, et il est mais en train de les rechercher. Avant, il y avait bijoux en toc. Je sais pas. Ah, Lilira. Oh, bon. Rorschach. Quoi? Remets-moi dans le live. Ah non, d'accord, ok. Bonjour, Connu. Ça va, ce gars? Ça va, Connu? Attends, mais tu viens de voir maintenant, toi? Ça va, super. Phil, tu me dis Phil quand tu arrives, hein. C'est pour ça, Ivan. Il a un problème de casque, là. Et donc... Non, non, je t'entends, mais je répondrai pas à tes vannes. La zone. En gros, là, c'est une version polie, tu vas te faire foutre. C'est ça. Du coup, on va à quelle station? Meryl Hub, je devrais te le répéter dans 2 minutes ou pas? Ouais, ouais, c'est quelle station? Alors... Donc, chaque prochain stream sur Reddit, je commence par faire une petite vidéo sur les trucs gardiens. Je te charge d'enquêter. Bah... Ouais, mais le problème, c'est que j'enquête en bêta, alors je pourrais préférer quand même enquêter en jeu ouvert. Enfin, en jeu normal. Bah, tu peux pas. Bah, si. Mais il faut attendre. Oh non, 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 on ira voir ça tout de suite. Hein. Bah justement, moi, je trouve pas, j'essaie de chercher. Mais cherche, tu trouveras. C'est normal. Ah, je colle fesses qui se font intercepter. Ouais. 100% des trouveurs vont chercher. Oui, c'est ça. Colfèche, si tu te fais tuer, tu reviens à la dernière station où tu t'es docké. Hein. Non, oh non. Non, c'est bon. Responsable. Ah oui, en plus, je me sentirais un peu responsable. Eh, mais comment ça se fait que je suis recherché encore? Et pourtant, Rodrigue n'est plus là. Mais c'est bon. Mais je sais, non, mais c'est... C'est encore un espèce d'abruti qui m'est rentré dedans. Il finira sur le pénitencier. Je cherche aussi, dit Almut. Ah, t'es sur les signes gardiens? Alors, je vais inviter... Mais Lilira est partie? Mais oui!
mais elle est même partie du live. Mais toi, elle a eu un problème de connexion. Elle a même quitté le Discord. C'est une blague à ce gars. Ça fait un moment qu'elle est partie. Hein. Ouais, mais même du... Ah, Pozlovich, bénéfice partagé, 1232 crédits. Merci beaucoup, Pozlo. Tu as Meryl Up aussi. Ouais. Moi, je vais attendre Colfège. Tu peux repartir si tu veux, mais je vais attendre Colfège pour... Comment ça, bénéfice partagé? Alors, au fait... quand on est en escadrille, qu'on se trouve dans le même système ou la même station, dans le même système et que quelqu'un fait des échanges commerciaux et gagne de l'argent, eh bien on obtient des dividendes. Et les dividendes, il faut aller les chercher dans les contacts des services d'Espatioport. Ah non. Ah si, je sais plus. Si, dans le contact des autorités, dans les contacts services d'Espatioport, contact autorité, encaisser tous les dividendes commerciaux. Voilà. Tu verras quand on arrivera, c'est pour ça qu'il faut mieux s'attendre. Tu verras qu'on arrivera ensemble à la station ben là où on doit les vendre. Ben tu verras. Tout recommencera. Ah, tu verras quoi. L'amour est fait pour toi. Ok, j'ai pris mon électronique en public. Tu verras. Alors. D'ailleurs, bien augmenté de valeur. Donc, Pozlovich, ici on a des microcontrôleurs. Pareil pour Colfège. Ah, oui, il n'y a plus de place dans la station. Ok, je décolle. Je décolle, ça veut dire casse-toi. J'arrive sur Meryl Hub. Alors, tu as un lien, Almu, tu ne parles c'est que bon. Des skins tournent. Il parle que des skins tournent. Ah, bon. En fait, Rorschach, il fait juste aller copier des trucs à gauche à droite. Il reverse. Bah non, tu vois, parce que là, je suis sur le site gardien à chercher les bijoux et j'essaie de voir à quoi ils ressemblent pour savoir. Ouais. Non, je ne copie pas à gauche à droite. Sinon... les informations déjà découvertes par des concitoyens et Y'a yeah voilà, exactement, y'a. Mais c'était qui, lui? Pourquoi tu me fonces dessus? Mais c'était qui? C'était moi, Acronu. Ah, Acronu! J'ai vu ton acronyme. Alors, pardon. Invité dans l'escadrille. Il va avancer dans la soirée, mais plus il va être... Ah oui. Trop purée. Ah, ouais, c'est vrai que là, c'est... Ah oui. Je n'ai pas vu de skin encore, ouais, il reverse à Dimogène. Exactement. Et bien voilà, nous sommes tous ensemble. Donc, on va s'attendre avant de sauter, parce que c'est toujours mieux de sauter ensemble. Un rang chaque. Moi. Je le reçu en attendant. Ah, voilà, Cronu, tiens. Ah, en fédéral corvette. Mais non, je rigole. Ah, en piton. Ah, bah, il est en piton Zeta. Hein. La CG, donc, c'est comme le mission classique. Alors, au fait, ce que tu dois faire, Colfège, là, tu vas acheter un maximum de microcontrôleurs. Quand tu arriveras à l'autre station, tu prendras la mission de la CG. Ah non mais il peut s'inscrire à distance ou pas? Oui. Alors, va dans le tableau des missions. Ouais. Et là, tu as l'objectif communautaire en gris. Mm-hmm. Tu prends, alors il faut que tu regardes celui qui s'appelle Duvin, etc. D'accord. Voilà. Le vin coule à flot. Voilà, c'est ça. S'inscrire. Voilà. Okay, tu fais s'inscrire. Et au fait, il te demande une série de matériaux à rapporter là-bas. Donc nous, on va aller vendre plein de matériaux. Je vous montrerai sur quand on sera arrivé là-bas. On va aller vendre, donc ici, nous, on prend ici une cargaison de microcontrôleurs qu'on va aller vendre au marché là-bas. Et ça rentrera dans la CG. Ok. D'accord. Salutations, Erazor. Ouais. Mais de Fossoy Asgard, moi j'ai pris de l'électronique grand public là, 6000 balles. Ça rentre quand même. Tu as pris. Ah non, électronique grand public c'est bien. Il y en avait aussi ici? Oui, il y en a, il en reste okay. Une centaine, je dirais. D'accord. Donc c'est microcontrôleur, c'est ça hein? Oui, il y a aussi électronique grand public visiblement. Voilà, moi j'ai pris les microcontrôleurs et donc voilà. Eh bien, ça va très bien, Erazor et toi? Tu connais le jeu? Qu'est-ce qui t'amène ici? Je trouve qu'il s'est juste trompé de channel. Hein. Il voulait pas aller là. Ok, quelqu'un qui dit salutation, il veut dire qu'il respecte le leader suprême. Vas-y, je vais te le faire. Alors, navigation, carte de la galaxie. Et donc là, maintenant, il faut retourner à Vingal. Alors. Combien j'ai de portée de sous avec tout ça? J'ai quand même 228 sous. J'ai bien fait de revendre mon T7. Ah oui, mais j'ai une portée de sous de 18 années-lumière. Est-ce que tout le monde est prêt?
Attends, moi je suis en train de me mettre mon itinéraire. C'est Vangal. Vangal, W-A-N-G-A-L. Tu as un marqueur jaune dessus, sur le système. Je suis complètement d'accord avec toi, Asgard. Et je suis en train de me poser une question. Tu prononces... attends. Tu prononces pas le V de non. Wagon, mais tu prononces le V de... Mais oui, parce qu'à force de côtoyer des Français, j'ai découvert le jeu la semaine dernière et j'ai claqué, en fait, je l'installe là. Ah, c'est super, Eraser. Okay. Eh ben écoute, t'as bien fait de claquer. Il y a Phil qui a claqué aussi, là, il est en train de claquer sur le jeu. Ah, Phil. Ouais, super. Voilà, donc voilà. Et en plus, il est en super promo. Bon, allez, on se retrouve tous à... Ouais. À la station là-bas et voilà, on attend juste que tout le monde soit dans le système pour vendre. Allez, de Poslo, c'est reçu. Poslo au départ. Et, allez, vite, Poslo. Le soldat Poslo ne répondra pas à cette place. Ah, c'est déjà fait alors. Et qu'est-ce qui t'a poussé à prendre ce jeu, Eraser? J'espère que tu n'as pas fait une erreur. Erreur, Eraser. J'ai surtout envie de farmer pour faire... Farmer pour faire de l'exploration. Ouais, c'est vrai que ce jeu parfois peut se confondre avec Farming Explorator. Non, mais je crois que je vais parler mute à cette personne. Hein. Je ne connais pas cette personne. Non, Asgard, c'est pas cette personne, ça en est une seule. Mais il y a vrai. Donc. Allez, ah, c'est qu'Asgard, on a exactement la même route là. Ah, exactement, voilà, exactement. Voilà. Ah, tu te colles au vaisseau. Mais en tout cas, mais faire l'explorateur, tu vas vraiment faire de chouettes choses. Et moi, j'aime bien aussi faire de l'exploration. D'ailleurs, un jour, je partirai faire de l'exploration. Oui, Anonymette. Quoi? D'accord. Merci, Anonymette. Il n'y a rien du tout. Avec les petits rires derrière, c'est énorme. Ouais, effectivement, c'est moi. C'est un animal de compagnie qu'on a installé au fond du stream. Ouais, le... Balance de trois coquettes. C'est l'animal de compagnie, en fait, voilà. Juste pour savoir. Quoi? C'est qui, l'animal de compagnie? Oh. Et en plus, ils parlent, tu vois, et ils se reconnaissent pas. Okay. T'as vu? C'est comme les perroquets, ils répètent ce qu'on dit, mais ils comprennent pas ce qu'il dit. Je ne reviendrai plus jamais ici. Ah, voilà. Ah, bah, voilà. Voilà. Adios. Adios. Voilà. Yes. Et merci, Razor, pour ton follow. Bienvenue à toi. La chaîne Asgard, n'hésite pas à aller sur le Discord. Ou sur n'importe où, en fait, sur YouTube aussi. Oui. Allô. Y a un blanc, c'est normal. Ah non, je viens de voir que Triban avait mis un message dans les news, elle est très gentille. J'ai entendu ton yes après mon départ. Ah, mais je disais yes parce que j'ai cru que tu restais. Ça va, Phil? C'est bon, j'ai trouvé une excuse de merde. Ouais, c'est ça, exactement. J'essaie d'atterrir à un endroit, c'est pas facile. Pardon, excusez-moi. Il y a un targoïde qui est passé en courant devant moi. C'est sur une grande station ou pas? Je sais pas, c'est sur Asban City. Mais c'est un... Oui, ah oui, Asban City, je pense que c'est... Asban City. Ouais. Et tu as trouvé la porte d'entrée? Bah, je suis... À la fente? À chaque... Non, la porte d'entrée, tu as trouvé? Fente enculée. La fente enculée, il a dit. Hein. Bon, c'est pas grave, moi je veux pas... Franchement, donner une bonne image aux gens qui viennent d'arriver. Pardon. Ah, putain. Mais... J'ai du mal à trouver la fente pour répondre à la question. Alors, tu dois cibler la station et tu verras des flèches dessus. Ouais, je sais, mais je la dépasse à chaque fois en fait, la station. Ah, t'es en FSD encore. Ah oui, mais non, mais tu vas pas encore trouver la fente, tu peux pas la trouver. Non, t'es en super navigation, Rorschach. Essaye d'employer les bons termes, s'il te plaît. J'ai dit quoi? Tu as dit que tu es en FSD. Bonjour. Bah, c'est le terme. Elle est revenue? Ah, non, c'est reconnu.
C'est R Cronu. R Cronu. R Cronu. Exactement. Heureusement, il m'a reconnu. Ouais. Tu joues au jeu depuis longtemps. Ah oui. Non, oui. En fait, j'ai joué depuis longtemps avec des pauses. Et maintenant, ça fait 54 épisodes que je fais pas de pause. Ça fait, voilà. Et donc, j'aime bien. Et toi? Bah non, toi non. Tu viens de l'acheter. Ça fait 54 épisodes qui fait pas de pause et qu'il a des mecs de plus en plus tarés qui viennent jouer avec lui. Voilà, voilà. Et qui font des blagues pourries en plus. Mais le leader suprême se fait intercepter par Mikael Komurodada. C'est un novice. Attends, je me fais intercepter par un fédéral dropship. Les fédéraux, c'est plus ce que c'était. Hein. Bah, en même temps, le leader suprême était présentement en train de dépasser la station. Alors, mais justement, Phil, blague à part, si tu veux voir comment... Pardon. Non, je parle à mon vaisseau, il se stabilise pas, ça m'énerve. Alors, ça m'énerve. Alors, regarde comment je fais pour approcher. Si tu as le live. Ouais, j'ai regardé le live, attends. Tu vois, donc j'ai un peu le même truc que toi, bon, sauf que moi j'en ai un plus gros. Et Oui, je t'écoute. Voilà. Et donc, il faut attendre que les deux barres soient dans le bleu. Distance et vitesse. Sur le côté là. Ah, il a oublié le primordial. Quoi? Attends, vieux con. Alors. Du coup, je dois attendre avant de vendre mes trucs du coup. Est-ce que tout le monde est dans le système? Ouais. 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 Mais ouais. Comment vous pouvez dire oui si personne n'a pas encore répondu? Vous savez pas si tout le monde est dans le système? Il faut dire je sais pas, mais moi j'y suis. Et alors après, tu cherches l'entrée, donc tu peux vendre, c'est bon. Vous avez vu quelle autorité j'ai sur les gens, ils se taisent dès que j'ose le son. Vous avez eu les dividendes? Le ton. Ouais, c'est fait. Ah, Colfet, je fais intercepter. Bon bah, Colfet. Mon ami temporaire est parti. Moi, je comptabilise 500 heures de jeu sans l'avoir lancé. Ça, il va falloir m'expliquer. Prétentieux, ben oui, totalement prétentieux. Ah, t'es un ancien joueur console qui l'a pris sur PC. Tu étais triste? C'est bien, Colfèche, tu te bats bien. Hop là, voilà. Tu pourras entrer dans l'Asgari. Quoi? Qu'est-ce que l'Asgari? C'est un streamer modeste. Ah, t'as pas 500 heures du tout. Ah, mais moi je crois ce qu'on me dit, hein. Je crois ce qu'on me voit. Mais qu'est-ce que je dis, c'est qu'est-ce que je fais? C'est marrant les blancs. Non mais je avec toi je le fais exprès parce que tu fais pareil avec moi. Allez, Nelder City. Ah, voilà. Tu sens la fatigue en fait. Non, on était couché tôt hier. Alors. C'est même toi qui m'as envoyé dormir. C'est vrai? Oh putain, c'est vrai. Oui, à la fin tu m'as dit non, mais Asgard. Oui, c'est vrai. Parce que moi, quand je dis. C'est pareil que pour les lives. Quand je dis oui, je viens 5 minutes. Ouais, à 15, je m'en vais, hein. Mon caractère encore. C'est comme la Belgique, un état fantôme. Oh. Non, mais d'accord. D'accord. Et Erazer, tu en es où là concrètement dans le jeu maintenant? Tu me dis quand tu es posé, Colfège. Ouais, tu es arrêté. Bah, allô? Ouais, tu m'entends? Oui. Oui. J'y arrive là, je suis tranquillou. D'accord. Je suis pas encore. Je vois pas encore la station. Ah, d'accord. Je pense qu'on peut repartir acheter des trucs d'où on était. Je vais quand même regarder dans le tableau des missions. Non, c'est pas encore apparu, moi. Je me serais pas inscrit à l'autre. Ah non, je suis pas inscrit à l'autre. Heureusement que j'ai attendu avant de vendre. Inscrit. T'as dit quoi?
Ouais, je m'étais pas inscrit, heureusement que j'ai attendu avant de vendre. Oui. Inscrit ah oui. À l'autre. C'est toi. Électronique, équipement ménager. Ouais, effectivement, équipement ménager. Purificateur d'eau. Unité de refroidissement. Ok. Je vais vendre mes trucs comme ça, quand même, vous pourrez les avoir. Donc, retour marché. Culture. On va faire pas mal de bénéfices là, ce choix. C'est 3000 par. C'est pas mal ça. Hein ouais. Ouais, je vais me faire. Ah, ils ont reproduit un petit peu de céréales. Mais céréales, il n'y a pas besoin. Ah, oui, il faudrait qu'on voit ce qu'on peut apporter là-bas, au fait. Parce que oui, c'est quand même bien plus rentable après, quand c'est comme ça. Exactement. Donc, on va regarder dans les. Dans les. En général, les stations autour réclament souvent des céréales et de la viande. Des céréales et de la viande ? Ouais. Ok, je vous fais confiance. Et c'est là qu'ils vont réclamer des algues ou du vin. Bon, je vais quand même aller voir. Ça y est, je suis posé. Ok, alors. Tu vas vendre. Bon, même certaines réclament des esclaves impériaux. Ah oui, ah. Non, c'est. Non. Et donc je vends sur le marché. Classique. Sur le marché. Ouais. Okay. Et nous on recevra des dividendes. Et nous on recevra des dividendes. Et voilà. Avant de repartir, je vais t'expliquer. Je regarde juste ce qu'on peut aller vendre dans le système où on est. Vous avez reçu là du coup ? J'ai pas regardé moi. Ouais, 1500 moi. 1500 j'ai reçu, puis 78 000 de Asgard. I'm out. Il demande qui rapporte le plus illumant là, c'est l'eau. On pourrait prendre de l'eau. Enfin, attendez, oui, mais sauf que j'ai mis au niveau crédit, j'ai mis n'importe quoi. En fait, l'idée aussi c'est de repartir à cette station avec avec des choses à vendre. Animal meat, ben, la viande, ouais. La viande ça marche donc on peut acheter de la viande ici. Ils en ont pas beaucoup par contre. Ouais, ils ont déjà plus que tout à l'heure. Hein, Ok. Alors, salut Ez. J'espère que tu vas bien. Ah. Alors, merci beaucoup Didash. Si jamais on a un problème, on peut aller à Aracapajo. Je note le nom du système. Aracapajo, il y a 35 000 technologies grand public. Ouais, Ez, ouais, j'avais reconnu ces gars-là. J'espère que tu vas bien. Alors, ce qui marche bien pour là où on va, on pourrait donner de la viande. Il y a les fruits qui marchent aussi. Mais voilà, je vous laisse. Voilà, les fruits. Il y a le grain. Donc, les céréales, j'imagine, le grain, non ? Pour Arthur ? Ah ouais, c'est ça. Ouais, ouais. C'est ça. L'eau. Comment s'appelle le système là où on allait chercher les. Suteni. S-U-T-E-N-I. Je vais le garder en utilisation. Ouais, tu le mets en favori. Vous avez déjà pris vos marchandises parce que moi je vais tout avaler d'un coup. Hein. Ouais, j'ai pris. Ouais, okay. J'ai pas pris encore. Ah mince alors, j'ai pris toute la viande. Je laisse des céréales. C'est quoi le nom du système intéressant là pour. C'est sur le live. Aracapajo. Aracapajo. Merci beaucoup. Ça va super, Granola, merci. J'espère que toi aussi. Ah, mais non, je viens de te poser la question. Alors, water. Il y a de l'eau qui les intéresse, visiblement. Ah, ils n'en ont plus beaucoup. Que je vais prendre. Ils mettent quoi aussi ? De l'huile minérale. Il n'y en a plus que 9. Ah, oui, ça c'est vraiment bien. Ok, ah oui, mais il n'y a que ça. Ok. Est-ce que tu as pris des marchandises Colchef, tu as pris des marchandises ou pas Ouais, j'ai pris de la viande, ouais. Ah ben j'avais pas tout pris alors, donc je vais prendre tes céréales aussi. Bah, enfin, j'ai pris avant que tu prennes. Ok. T'as pas pu voir parce que 8 de viande... Ok. Alors maintenant tu... Oui, mais je pense que tant qu'on est... Maintenant tu vas dans contact. Et tu vas encaisser tous les dividendes commerciaux. Dans autorité. Ouais, j'ai 78 000. C'est pas... Alors,
pour toi, c'est pas mal, hein, quand même. C'est parce qu'on est en escadrille. Alors, si tu regardes dans tes transactions à gauche, avec la quête que le vin coule à flot, ouais. Tu as maintenant... Alors, en fait, comment t'expliquer? Alors, c'est pas encore mis à jour. Parce que il faut, ouais. Voilà, il faut faire un saut pour que ça se mette à jour, mais donc tu auras ton classement. D'accord. Et alors à droite, au fait, tu as la contribution générale, c'est la colonne. La contribution générale, okay. Et donc plus les commandants participent, plus ça se remplit. Quand on atteint le niveau 8, ça se termine. Et au fait, plus on passe de niveau, plus les récompenses sont grandes. Voilà. Okay. Donc c'est un peu l'idée. Mais tu vois, donc. On va faire pas mal d'allers-retours à gauche à droite, ça va être sympa. Bon, bah écoute, on peut redécoller. Petite info, si vous allez dans le panneau d'affichage, là où il y a l'émission, vous cliquez sur le Community Goal et là vous verrez actualiser, ce sera actualisé et vous verrez votre récompense. Ah, merci beaucoup, c'est super, merci Connu. Et ça met un peu de temps à se rafraîchir. Ouais, voilà, ouais. Donc on repart à Sutéli, c'est ça? Ben moi, oui. Tant que ça marche, on peut le faire et sinon, on ira voir. Là où notre ami Didas que nous a amené là. D'ailleurs, super gentil de sa part de nous avoir donné l'info, de ne pas l'avoir gardé pour lui. Et donc, tu m'as dit, quand vous. Tu peux. Répète-moi, Connu. Où est-ce que je peux mettre à jour dans le panneau d'affichage de. Dans la station. Oui. Allez, d'abord sur tes oui. Et tu as le Community Goal tout en haut, là où tu as accepté tout à l'heure. Oui. Et tu vas sur le Community Goal, et là, c'est à jour en temps réel. Ah, ok. Meilleur 75% avec une livraison. Ok. Allez, on repart. Voilà. Oh. Et donc, alors, pour ceux qui ne sont pas habitués, donc je pense à Colfage, etc., les missions communautaires, c'est mieux de les faire, de ne pas se mettre en jeu ouvert, quoi. Parce que tu as souvent, voilà, il y a une concentration de joueurs énorme, alors la plupart sont bien, mais tu en as aussi qui viennent pour tuer, quoi. Donc, faut faire attention, quoi. C'est pour ça que les systèmes groupes privés, c'est très bien. Il y en a qui les critiquent, mais je trouve ça très bien. Non, voilà. Voilà, surtout qu'on a notre groupe à nous là, voilà. Je peux comprendre, hein, moi quand je jouais seul, j'aimais bien être en jeu ouvert pour croiser des vrais joueurs, mais voilà. Alors, je fais le métier de livraison, mais... Enfin, moi je suis pas trop combat, mais en groupe, voilà, on en fait parfois, mais je suis plutôt commerçant, explorateur aussi, voilà. Mais là, ça rapporte pas mal d'argent, et le but c'est d'accumuler de l'argent pendant qu'il y a la bêta. Pour comme ça, quand la bêta passera en release officielle, sera plus une bêta, mais alors c'est plus une bêta si c'est plus une bêta. Et ça sera bien d'avoir de l'argent pour acheter un peu des trucs. Puis l'argent, c'est le nerf de la guerre. Et moi, je trouve qu'une société sans argent qui fait pas le bonheur, c'est pas. Tu en es où, Phil? Alors, en fait, j'ai réussi à me rapprocher, mais j'ai raté le truc pour appeler les gens, là, pour qu'ils m'ouvrent la station. Donc, du coup, il faut que je recommence. Ah. Okay. J'ai pas réussi et j'ai pas compris ce qu'elle m'a dit, la meuf. Alors, tu as demandé l'appontage. Oui, voilà, exactement. Merci, je cherchais le terme. Donc, il y a deux possibilités. Enfin, il y a trois possibilités. Soit ça t'accepte et ça t'affiche que tu as attendu à telle place. Soit ça te refuse, soit parce qu'il y a peu de place, ou parce qu'il y a du transit. Mm-hmm. Ou alors ça te refuse parce que tu as fait une infraction, et dans ce cas, t'as une sorte de compte à rebours avant de pouvoir refaire une demande. Ah, d'accord. Okay, soit t'as demandé trop loin. Soit t'as demandé trop loin aussi. Voilà. Il faut être à 7000, moins de 7500 mètres. Ça fait 7 500 km. Merci. Et un centimètre? Ça, c'est la longueur de ta... Pardon. Alors... Ah, tu vois le blanc. Tu vois, hein. Ah. Alors, Rorschach, tu trouves les bijoux? Bah là, je suis retourné voir les scouts et essayer de leur lâcher des reliques. Ah, ben va lâcher près des scouts. Ah.
La petite remarque gênante. Bah oui, effectivement. Et en décamètre. Bon, Moriarty, t'attends quoi pour acheter le jeu? Parce que tu suis à chaque fois avec grand plaisir, mais moi j'ai envie que tu viennes. Parce que... Que deviennent... Allô? Covenant, c'est quoi ça? Qui est parti? La personne qui est partie. Mirage, je crois. Ah mais elle est partie deux fois. Hein. Mais tu es part. Elle est déjà partie tout à l'heure, elle peut pas repartir. Elle est revenue. Mais oui, voilà. À mon avis, elle doit bugger. J'espère. Ah, vous êtes déjà assez technique. J'essaie de trouver des fanarts de gardiens, mais impossible. Pourtant, je pensais pas avoir un réacteur FSD particulièrement puissant. Mais oui, non, mais de toute façon, moi, sur le Python, c'est pas connu pour ça. Alors, en système impérial, les jours où il est sur un véritable système d'exploitation. Ah! Ouais. Ok. Il joue pas sur Windows Moriarty. Il a besoin d'un Mac. Ou d'un Linux. Ça, il devrait bien aimer Archer. Quoi? Tu devrais bien aimer ce que je mets en screen. Mais pourquoi c'est toujours obligé que je sois la cible de tes colibés? Parce que c'était quasiment la seule personne qui fait les remarques comment je me doc. Ah. Ouais. Windows est l'œuvre du mal. Ah bon? Non, j'ai rien dit, moi, c'est Moriarty, moi je fais que lire. Je fais mon rôle de porte-parole de Litli. Un peu de choses, je faisais un intéressage parfait. Voilà, ça, si nous sortent un carrière de ce type-là, moi je pense à un type impérial. Mais il ressemble à un carrière avec des boucliers sur les côtés, type comme les stations ou la fente. Mais il y aura des vaisseaux gardiens? Ah bah, je suppose. S'ils sont encore. Enfin, s'ils arrivent, oui. Alors, je vois que Pozlovitch est docké. Connu est en difficulté. Ouais. Il faut savoir il faut savoir évidemment aussi Colfèche que tu as plus de chances de te faire intercepter par un vaisseau, enfin d'être poursuivi par des vaisseaux pirates, etc. quand tu as de la cargaison sur toi. Bah d'accord. Ce qui est logique. Après, si tu te fais intercepter par un vaisseau et que t'as aucune cargaison, bah il te laissera partir. Enfin, pas à chaque fois, mais ça peut arriver. En fait, il faut lire ce que le PNJ te raconte. Et même si t'as de la cargaison, il peut dire, bon, tu me balances un peu des trucs et je te laisse partir. Et donc, tu vas dans ton inventaire, tu peux abandonner de la cargaison si t'acceptes d'être un pauvre soumis qui est à se faire inquiéter. Jamais. Autant mourir. Ouais, ça arrive aussi. Ah, le truc avec l'anaconda. Tu t'es déjà fait intercepter en anaconda, Rorschach? Non. Enfin, oui, mais... Pourquoi? Ah non, j'ai pas compris. Bah, elle est plutôt chouette, l'image. Ouais, je suis en train de regarder les fanarts, là, ils sont plutôt cool. Il est en manque, Rorschach. Il est en manque de... d'encore plus de nouveautés. Bah, c'est vrai que, ne serait-ce que, tu vois, voilà, là, le... impérial. Enfin, qui ressemble à un vaisseau impérial. Franchement, il est classe. Ça serait une belle corvette impériale. C'est vrai que ça manque. Non, mais oui, mais ça manque de un gros vaisseau impérial, non? Bah, enfin, t'as le cutter en gros. Mm-hmm.
Mais bon, c'est vrai que ce qui manque, c'est de la variété, c'est de la doctrine de fleet, ce qui manque, c'est de la spécialisation, c'est... Ouais, je comprends. Je ne vis pas comme ça, mais je comprends qu'à un moment... Ouais. Par exemple, bon, on voit se dessiner, enfin, on a des espèces d'un peu... truc très léger qui prouve que les impériaux se font d'excellents boucliers, enfin des coques ultra solides avec des petits boucliers, bah pourquoi ils vont pas là-dessus à fond, quoi, qu'ils en font pas une réelle spécificité de la fédération. Tu vois les impériaux qui sont plutôt typés shield, pourquoi ils mettent pas des coques type chips avec des boucliers un peu surpuissants, tu vois, pour histoire d'avoir vraiment un style de gameplay différent. Ouais, c'est vrai. Parfois, c'est déjà plus ou moins le cas, c'est juste qu'ils veulent, bien faire comprendre que peu importe les designs ou machin, ça reste des vaisseaux humains et avec de la technologie humaine. Et du coup, tu peux pas avoir de telles différences, sinon c'est un peu. C'est plus la même race, tu vois. Ouais. On peut. Tout le monde a réussi à se poser ? Amérine, ou pas ? Moi je suis en train de me poser là. Ok, donc je vais attendre pour qu'on ait les dividendes avant de sauter. Ouais. Mais tu vois, avec les boucliers gardiennes, à mon avis. Enfin, si on en a un jour. Dans les jeux, je parle pas dans le lore, mais dans les anciens jeux Elite, les gardiens étaient là aussi ? Je pense pas. Ou j'en ai entendu jamais entendu parler, dis-moi. C'est, enfin, Elite après c'est un univers assez. Enfin, tu croises pas une nouvelle race toutes les deux heures, enfin tu vois. C'est vraiment il y a plein de vie dans la galaxie. Si tu fais un peu d'explo, tu verras en lisant les descriptions des planètes que tu scannes que ils disent oh il y a une apparition de vie ou il y a de la vie autochtone, enfin sans plus tu vois. Mais une des vraies vies intelligentes qui ont réussi à avoir assez de technologie pour partir dans l'espace, c'est très très rare quoi. Et là dans le jeu du coup on en connaît que 3. Connu a vendu et Colfège aussi. Voilà. Je sais pas combien de places il y a sur les petites stations, 3 ou 4 5 parfois. Moi je pouvais pas me poser. Ouais, c'est pas. Bah, du coup, vu que vous avez vendu, hop là, on y va. Mais pas donc prendre les contacts. Donc ce qu'on peut acheter, hein, c'est électronique en public, microcontrôleur. Microcontrôleur, il y en a encore pas mal. Hein. Équipement ménager. Non, équipement. Je sais plus me relire. Non, c'est pas ménager que j'ai noté. Eau. Système de refroidissement. Chose comme ça. Ah, et Rorschach, demain, les Kramers. Oui. Kravers. Kravers. Un V. Un W. Eh oui. Ce qui est marrant, c'est qu'on part dans des directions totalement différentes au début. Ouais, mais tous les chemins mènent à Rome, mais je veux dire, c'est en fonction, totalement en fonction de plein de choses. Ouais. C'est ça qui est bien, c'est ça qui fait. C'est que t'as quand même pas la. Enfin. Je parle en termes de nom d'endroit, t'as comme. Je suis sûr que j'ai peut-être déjà été dans ce système là, mais je m'en souviens plus quoi, tu vois. C'est ça qui est génial quand tu passes à chaque fois par d'autres. D'autres. Moi j'ai un petit soft là qui tourne en arrière-plan du jeu et qui permet de. Attends, je vais te dire exactement. Ah bah tu vois en plus c'est ED Discovery. C'est ED Market Connector. ED qui... Ouais. Ouais, après ça t'envoie les données sur ton compte ED. Du coup, ouais, ça permet de voir à peu près où t'es passé et tout. Et en même temps ça update les trucs sur EDDB. Ouais.
parce que nous on aide la société. C'est bien, il en faut des gens comme vous. Phil, c'est grâce à nous que tu fais des économies. Exactement. Ouais, c'est ça. Exactement. C'est grâce à nous, tu vois, que tu sais que dans tel système, bah il y a encore de l'électronique et tout. Ça sert à ça la plèbe. Phil. Ouais. Tu en es où? Ça y est, je vais pouvoir demander à Ponté là. Ça fait, pardon. C'est bien Phil. Oui, bah écoute-toi. Je crois qu'il m'a fallu, 45 minutes, pareil, pour demander à Ponté. Hein. Ah, mais non, mais on rigole, mais alors moi, et moi encore maintenant. Je sais même pas comment on fait, quoi. Alors après, il faudra que tu apprennes le combat. Après, il faudra que tu apprennes à ponter sur des petites stations. Après, il faudra que tu apprennes à te poser. Après, il faudra que tu apprennes à fitter ton vaisseau. Voilà. Mais ça va vite. Mais ça va vite, en quelques mois tu y arriveras. Une vingtaine. Ouais. Hop, donc ça on est parti. Ah tiens, il y a du monde là. Tu es où, Archer? Là, je suis à Wangal. Okay. Je suis à Wangal. Moi, j'arrive. On arrive à Nether City. T'es dans mon groupe? Ah non, moi, je suis pas dans une. Non, mon escadrille est complète, mais je veux dire, tu es dans le groupe Asgard ou tu? Oui, je suis dans le groupe okay. Asgard. Donc on devrait peut-être se croiser. J'aime bien croiser les. Des joueurs. Ah, il y a encore l'autre qui me dit que je ne lui échapperai pas là. À mon avis, on peut encore y retourner. Hein. On peut encore faire à soutenir. De toute façon, ouais, à part Cronu qui en. Tu as. À part un bouclier Cronu, tu n'as que des soutes. Ouais, à peu près. Ouais, tu as 232 la station. Ah, t'es à 232 toi. Ah, t'es ouais. T'as un bouclier de 4 5. Mais moi pareil, comment ça se fait que t'arrives à 232? Je suis à 228 moi. Il y a un classe 3 que j'ai mis en soute. Mon classe 8, classe 3. C'est ça qui est énorme, c'est que là la station elle a bougé entre temps. Moi j'ai un menace 3. C'est bizarre ça. Oui c'est que la station elle tourne. Attends, je suis quand même surpris par tes modules de Cronu. Comment ça se fait que moi, avec... Je me suis trompé quelque part. Je devrais avoir 232. Parce que moi aussi, j'ai un bouclier de 5. Ah non, j'ai peut-être un bouclier de 6, moi. Non, j'ai un bouclier de 6, moi. Je suis mieux bouclieré que toi. Moi, j'ai mis un entrelacé classique. Ah ouais, mais les entrelacés, c'est pas bien. Rorschach m'avait conseillé ça. J'utilise aussi un entrelacé. Hein. Ouais, je sais, mais c'est pour taquiner Rorschach. Vous êtes motivé à faire du commerce avec 232 de soute. Hey, moi je suis motivé, mais J. Colfège en haut, il était avec un adder. Mais en même temps, les CG, c'est ce qui rapporte des sous. Moi j'avais un. Je suis motivé à le faire avec un Cobra Mark 3 qui n'a que 32 de soute. Hein. Voilà, tu vois. Je sais de toute façon, Didas, merci. Hein. De toute façon, là, pour jouer à Elite, il faut être motivé. Regarde Phil. Personnellement, c'est plus pour le plaisir d'apporter ma contribution à la société, tu vois. D'accord. Oh, je peux les droner, les drones de recherche, les petits scouts. En tout cas, ils réagissent pas à la technologie gardienne. Ils réagissent pas à la technologie gardienne. Ouais, bah. C'est que c'est pas des vrais scouts. Si ça se trouve, c'est des scouts en place. T'imagines, il y a un gros scandale qui éclate parce qu'il y a des. Il y a des individus qui font croire qu'il y a des scouts et tout, alors que c'est pas vrai. Exactement. Ouais, ça serait marrant un tel scandale. Exactement. Alors, Cronu, J. Colfèche, vous êtes dans le système? Ouais. Je vais bientôt arriver à la station.
Ok, donc je peux vendre. Il y en a un qui vient d'arriver en station là d'ailleurs. Ah, moi je suis déjà posé. Je pense que c'est Pozlo qui est en train d'arriver. Ah, c'est Strato. Ah, ouais. Ah bah oui, il y a Strato avec nous aussi. Il se fait toujours oublier au fond du stream. J'ai une mission de rang donc j'en ai profité pour la faire. Ah oui, je devrais regarder aussi ça. Vous avez reçu des dividendes là, ceux qui sont en ligne avec moi. Ouais. Ok, moi, je vais prendre ceux-là. 38 000. Ouais, ça c'est l'avantage de... Ok, plus d'argent du coup en étant wing. Exactement. Et bientôt on pourra faire des missions en wing. Hein. On en a parlé. Après quand on commence en mal... Oui, voilà, Didash. Ouais. Mais moi je suis en Python, tu vois. Mais j'avais revendu mon T7, mais le T7 finalement la capacité en soute c'est un peu préparé. Hein. Je pourrais même enlever un bouclier là, mais j'ai pas envie. Bon, alors on va toujours prendre la même chose. Hein. Je vais acheter... Et j'ai un tissu, échantillon de tissu targoïde éclaireur. Nice. Qui vaut 15 000, ok. Donc toujours viande, céréales, eau, huile minérale, des fruits. Voilà. Bon, pour ma part, ça va être le dernier aller-retour. Hein. Ouais, y a pas de souci. T'es fatigué, c'est bizarre. Tu déconnes, il est 1h du mat là. Ouais, non. Ouais. Un peu pareil, mais je vais réussir. Lyore d'école. Et. Comment ça va ici? Que le vin coule à flot. Ça faudrait quand même qu'il se pose pour qu'on récupère les dividendes, non? Oh, mais moi, de toute façon, les dividendes, ils restent, tu vois. Donc, moi, j'ai vendu quand ils étaient dans le système, donc... Et moi, j'aimerais bien récupérer leurs dividendes à eux. Oui, mais je vais attendre avant de sortir. Enfin, avant de mettre en super navigation, tiens, voilà, connu. Ah! Je suis en train de... Enfin, mais c'était que zone... connu, hein. C'est oui. Vas-y. J'ai popé dans une zone menace 3 et en fait il y avait des débris de vaisseau, j'ai pas cherché, j'ai été direct sur les targos. Attends, mais c'est quoi ce nouveau truc? Ah non, c'est juste ils mettent un nouveau truc quand tu vises les choses, ça met cargaison 4. T'as mis le nombre de cargaisons que t'as déjà en fait. J'ai rien dit. Oh, mais tu vois, mais enfin arrête un peu parce que à chaque fois on a l'impression qu'il va avoir un super truc. Ah voilà. Non, 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 tu me. C'est un vaisseau? Il m'imite très mal. Hein? Ah, dressons mes armes parce que. Dressons mes armes! Dressons mes armes, j'ai dit. Ah, pardon, excuse-moi, tu n'articules pas. Excuse-toi. Oui, tu n'articules pas, donc tu vois, c'est important quand même de savoir passer par des Français. C'est vrai. Et de pas pas bégayer surtout. De quoi? De pas bégayer. De pas bégayer quoi? Ouais. Asgard. Ça va. Mais... Ouais, 32 000 crédits connus, cool. Voilà, je viens de vendre. Ok, tout le monde a vendu. Allez, c'est reparti. De toute façon, je pense aussi que ça va être le dernier aller-retour. Je vais être raisonnable parce que. Ah. J'arrive pas à passer en hyperspace. Ouais, j'ai eu un lag aussi. Bah, en même temps, on est assez nombreux ici. Ouais. J'ai eu un lag aussi. Mais c'est bon, c'est réglé. Il y a plein de vaisseaux qui sont en train de flotter à l'intérieur de la station sans bouger, c'est bizarre. Ah! Ouais, je sais pas. Que du droite-gauche depuis tout à l'heure. Ils sont juste au-dessus de moi, du coup je peux pas décoller. Ah, ce sont des... Ouais, je sais pas. Moi je... Et Phil?
Oh là là. Tu as accepté la pontade à la station? Non, j'arrive pas. Mais décris-nous ce que tu vis, qu'on puisse rigoler, qu'on puisse t'aider. Mais non, mais parce qu'à chaque fois je me crase dans la station, j'ai pas le temps de demander la pontade parce que je me crase dedans. Mais tu t'as demandé la pontage avant? Bah oui, mais comme je cherche comment on fait, bah je me crache. Faut que t'ailles dans le menu 1, ensuite il faut que tu te déplaces jusqu'au menu 6. Ah oui, d'accord, ouais. Ensuite tu sélectionnes la station et tu fais demander un pontage. Et tu peux t'arrêter aussi le temps de chercher. Oui. Obligé de foncer tout le temps. Ok. Il se passe quelque chose, gars? Le leader suprême se tente de se faire d'être intercepté par un vaisseau de pacotille. Ouais. Il a déjà vu pire. Merde! Ah, c'est bon. J'ai tendance à ne pas aller vers le vecteur d'évitement. Exprime-toi. Ah? Non mais j'ai tendance. Raconte. C'est bizarre hein, comme système. On a quand même l'impression que les planètes elles sont toutes petites. Oh, je suis crevé, je me pose et j'y vais parce que. Alors... Je vais pas tarder non plus. Ouais, je vais pas tarder non plus. Je vais juste. J'ai juste plus lucide de ce qu'on fait, ce qu'on dit en fait. Non. Bon, en tout cas, aucune interaction entre les reliques gardiens et les scouts. Mais t'es sûr que t'as bien chopé une relique gardien vu que t'es crevé? Hein? ça se trouve, c'est mon imagination. C'est ça. Mais oui, j'en ai encore dans le vaisseau. Si j'ai d'autres tests que je pense pas forcément là, j'essaierai. Et tu as essayé chez les louveteaux? La station est en train d'abattre les vaisseaux qui planaient au-dessus de moi. Bah voilà. Les PNJ qui ont débugué. C'est bien. Rorschach, merci en tout cas. Oui. Mais du coup, il y a plein de morceaux de vaisseau sur mon vaisseau. Oh. J'ai abîmé la peinture. Remboursé. Gardez vos déchets, mon dieu. Exactement. Remboursé. Bah, bonne soirée à vous. Merci Rorschach. Ciao, ciao. Au revoir. Bon jeu et bon stream du coup. Et bonne année. Hein. Au revoir. Dans le système. Ok, nickel. Dans le système, on peut vendre. Ouais, c'est bon. Non, moi j'y suis pas encore. Ok, on attend. Il me reste 3 sauts à faire. Phil ? Mm-hmm. Pas mieux ? Arrête, tu m'empêches de me poser là. Non, mais en plus, dans le tuto, il faut commencer pour apprendre à vous poser sur une grande station, je crois. Ouais. C'est ça qui est. C'est ça qui est ouf. Putain, je l'ai encore raté. Caramba, encore raté. C'est normal.
C'est vrai qu'il y en a plein de vaisseaux qui attendent là. À l'intérieur de la station. Ah ouais. Putain. Ouais. Et il y en a plein qui se font abattre aussi. C'est marrant. Ouais, je vois ça. Depuis tout à l'heure, je regarde en l'air. Il y en a trois déjà qui se sont fait défoncer par la station. Allez, Colfège. Plus qu'un saut et j'arrive. T'en prie. Je vais aussi vite que je. Non, mais t'inquiète. Après, tu peux accélérer aussi, c'est bien. Je rigole. Non, par contre, mon prochain vaisseau, il faut que je prenne plus de soute. Ouais, mais t'as vraiment un tout petit vaisseau. Est-ce que t'es en train de faire, c'est énorme. Hein, je veux dire. Il est où Strato? C'est bon, on peut vendre? Ouais, c'est bon. Ok. T'as marché. Ah, vu, ok, d'accord. T'es là-bas. J'ai une bonne vue pour, sur les vaisseaux qui... Log oui, qui, la qui sont en train de se faire flinguer. C'est ça. Ouais, moi c'est dommage, ils m'ont mis au fond. Au fond de la classe, à côté du squelette. Ouais, c'est ça. À la place numéro 40. Bon, moi je vais vous laisser. Comme ça, dans le prochain stream, à mon avis, c'est. De mémoire, c'est lundi soir, mais je repartirai d'ici. Voilà, et tu irais vendre. En tout cas, voilà, j'étais super content de voir plein de nouvelles têtes, en tout cas dans Elite. C'était sympa. Merci aussi à encore une fois à Rorschach et à Rodrit pour le raid sur la bêta. Et merci à tous ceux qui ont suivi le live. On se retrouve demain pour nouvelles aventures. Alors demain, il y aura Transport Fever, il y aura Fortnite, il y aura Endless Space 2, il y aura The Hunter à la fin de la journée. Bonne soirée, bonne nuit tout le monde. Ciao, ciao et merci. Salut, bonne